Et enfin, on commence notre putain d'émission, frère. Sans mon intro, je vous assure, je sais pas si je peux commencer, tu vois. Ça veut dire, là, je supprime. Sinon, vous connaissez comment je travaille. Ouais. Voilà, bien quoi, les gars. Enfin, on part. On y va. Enfin. Merde, à la fin, heureusement, on a notre putain d'informaticien. Ouais. Mais je suis en train de saturer de ouf, là, je crois. Joe, quel vibe, mon gars. Voilà, tu connais, on est là, toujours mouvement, frère. Un mouvement toujours. Un mouvement. Chris et Sabé qui combat le 30 octobre. Ouais. Voilà, si ça, ça va sortir d'ici là, mais en tout cas, venez nombreux. Un gros gala avec que des grosses ceintures aux muraux. Pour une fois qu'on organise des trucs sympas aussi aux muraux. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ceux qui sont amateurs de boxe, qui aiment la belle boxe, franchement, venez le 30 octobre aux muraux. Ça va déjà être sur les réseaux. Ceux qui peuvent pas être là, il y aura du pay-per-view aussi qui va être mis en place. D'accord. À 6 euros. Et voilà, et ceux qui viennent sur place, c'est 30 euros, les frères. Voilà. Comme ça, c'est dit. Que des gros combats, je te dis la vérité. C'est parce qu'on il y a la promo Starting Block. Si tu tapes Starting Block radio, c'est 30 euros quand même, frère. Vas-y, fin, gars. Vas-y, fin. Piggy, quel vibe, mon gars? On est là, impeccable. Cool. On est là avec les refrains, ça se passe. Aïe, aïe, là, vous voulez les inviter, mais on revient à vous. Ne vous inquiétez pas, les gars, on arrive à vous. Mibis qui a sorti un projet. La plaquette. La palette. La palette. Excuse-moi. Ah, parce qu'en fait, l'ascension. C'est fini ça. L'ascension. Ah, t'as capté le bail. C'est un bail là. Ah. Est-ce que c'est pas fait exprès même? Ah, je sais pas. Ah. Non, la palette, ouais. La palette, excuse-moi. La palette. Ouais. Parce qu'il y a énormément de sons. Ouais. Hein, de style. De style. Ouais, surtout maintenant, de nos jours, tu vois. C'est des EP, des petits titres. 10 titres, 7 titres. Ouais, on a fait un petit format mixtape. Voilà. Il y en a combien de titres? 30 sons. 30, ouais, c'est ça. J'ai vu 30, ouais. Ouais, j'étais entraîné. En venant à la radio, j'écoutais La Cité. Ouais, La Cité, j'écoutais ça, j'aime bien. Bah, écoute. Voilà. Tout ce que tu dis, je te laisse écouter le reste. Ouais, je vais écouter, j'ai commencé à écouter. Hein, mais là, non, j'ai dit, attends, je vais mettre La Cité, allez. J'ai vu La Cité, j'ai dit, je vais mettre La Cité comme j'étais La Cité, en fait. Bien, quoi, les gars, je vais vous laisser vous présenter parce que j'ai fait le mal poli, je vous ai juste check, mais j'ai pas dit votre blaze. Mais en même temps, vous-même, vous connaissez pas mon blaze. Donc... Si, on connaît. Ah merde, alors. Allez, dis mon blaze pour moi, j'ai sûr, elle va me dire. Non, c'est Mao. Ah putain, j'ai cru à dire Mao Telly. Yeah. J'ai poteau. Avec le Keblo. Y'a rien, mon gars, on est ensemble, bien vu. Bon. Bah, Kevin. Calme-vous. Bah, Kevin, Cookie, du Money Time Podcast, hein, tout simplement. Money Time Podcast. Donc, on présente le podcast, qu'on présente ce qu'on fait. Bah, il va se présenter, après chacun à votre tour, vous allez présenter le bail. Bah, moi c'est Cookie, hein, membre du Money Time. Kevin et Cookie alors du c'est coup. C'est ça. Okay. Membre du Money Time Podcast, donc c'est une radio web sur le foot et la NBA. D'accord, il n'y a pas Lucius quelque part non? Il n'y a pas capté. Lucius. C'est Lucius. Va capter, laisse. Ah, c'est après, tu vas capter. C'est après. Ah ouais, c'est un empire. Gars, il est bon, il est bon. Je crois que je suis chaud aujourd'hui. Oula, t'es chaud. Je crois que je suis chaud aujourd'hui. Oula, t'es chaud. Parce que ça marche, ça marche. Il avait peur que ça marche pas. Oula, t'es chaud. La petite. Ah, le bail. Ah, tu parles du sol. Non, depuis avant ça, depuis l'ascension, je suis un peu chaud là. Je sais pas aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai fumé. Même si fume pas, j'ai fumé une bonne chicha, je crois, c'est pour ça. Je vais vous laisser présenter votre bail, Money Time, du coup, podcast. Bah, vas-y, Kevin, hein, c'est le boss. Bah, écoute, c'est radio foot, mais de base, ça a commencé par un groupe WhatsApp. C'est tout bêtement. On ça a commencé par WhatsApp, vous. Ouais, ça a commencé sur WhatsApp. Okay. En fait, on a fait un groupe où on parlait foot, basket, on s'envoyait des infos transferts, on débattait entre nous. Et on va dire qu'il y a eu différents événements dans le monde du foot, pas forcément positifs. Il y a eu le Blackface de Griezmann. Il y a eu certains trucs qui tournent autour du racisme, et en vrai, on va dire les choses honnêtement, on kiffait pas trop comment les médias français en parlaient, tu vois. On n'entendait pas ce qu'on avait besoin d'entendre, ou sinon tu regardes un plateau où ça parle de racisme, mais il n'y a pas de Renoir, donc comment tu veux défendre un truc s'il n'y a pas de personnes concernées qui le font, tu vois. Du coup, au-delà d'être des fans de foot, des fans de sport et de faire des débats sur ça, c'est surtout pour ça aussi, pour ce genre de choses, pour les gens comme nous, on va dire. On a monté un collectif, on a fait des podcasts où on s'est dit que voilà, on va un peu comme sur notre groupe WhatsApp, ça va être du foot, de la bonne ambiance. On est des bons vivants, on est des gens qui aiment vanner, qui aiment le sport, donc on véhicule ces valeurs-là. Mais on parle aussi de sujets très sérieux qui parfois ne sont pas bien traités, on va dire, dans les médias français. Donc vous avez préféré vous les traiter en tout cas. Voilà. Exactement. Okay. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Kevin, le boss.
Il dit jamais Mao le boss. C'est ouf, le frère. C'est pas toi le boss, Adam. Voilà, c'est Adam le boss, c'est gourou. Adam vous a rentré dans la tête. C'est pas le boss, hein. Non, c'est personne, il n'y a pas de boss ici, on est tous ensemble, frère. Mais photo, moi j'ai entendu, il y a eu des feuilles de match qui sont faites en privé, tout, avant que les gens puissent s'asseoir à la table, tout. C'était lui qui a validé les feuilles de match, tout. Sérieux, vous avez c'est Adam, ça. Moi, vous a dit ça. Moi, j'ai entendu ça. Ouais. Non, moi, j'ai dit, moi, je veux l'équipe. J'ai pas dit Piggy, j'ai pas dit Joe. Yeah. J'ai dit, je voulais l'équipe B7QG. Okay. Hein, la même. C'est la même. C'est la même. Nous a poussé. Vous avez poussé. Parce que moi, je pousse les frères, moi, toujours. Si, non, c'est réel, c'est réel. L'ancien. Je suis un bon. C'est l'ancien du Tchekar. L'ancien du Tchekar qui pousse les petits. Ouais, moi, gueule. Attends, je me mets la bouche tordue, frère. Ah, voilà, tu peux pas le laisser. Là, t'as capté. Putain, on arrête, les gars, on arrête. Bon, ok, bon, Money Time. Aujourd'hui, on est venu pour Money Time ou parler de l'ancien, frère? Non, Money Time, mon gars. Money Time, ouais, non, quand même, c'est Starting Block, les gars. Ok, donc où est-ce qu'on peut vous retrouver? Partout, sur Instagram, sur Twitter, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast. On fait Ah, c'est du audio alors ou c'est du audio? La vidéo, sur Instagram et sur YouTube. D'accord. Et les audios sur les plateformes de streaming. Voilà, donc on traite l'actualité sportive assez régulièrement. Donc on analyse les matchs, on essaie de ramener des invités à chaque fois. On a pu faire dans le monde du foot Vikash Dorasso, Jérôme Roten, pas mal de footeux, Marcus Thuram, le fils de Lilian. Ouais. Donc on essaie d'adapter un peu nos invités avec l'actualité. S'ils aiment le foot, ils nous rejoignent. C'est un match, ouais. Direct. Comment vous avez monté comment l'équipe s'est montée d'ailleurs, en vrai? Parce que tu me dis, le groupe WhatsApp, ça devait être un gros groupe ou c'était un petit groupe en vérité? Non, même pas. Les mêmes que. Des amis. En vrai, c'est un groupe d'amis. Ouais. On se connaît depuis des années. Ouais. À aucun moment, on a pensé à faire un média, tu vois. Okay. C'est juste que c'est venu avec le temps. On se connaît depuis des années. On a un groupe d'amis qui se connaît pour la plupart depuis près de 10 ans. Okay. Même plus, tu vois. Ouais. Donc, ça s'est fait facilement, on va dire. Mais après, lui, c'est un. Il le dit pas, mais lui, c'est un vrai journaliste. C'est l'entrepreneur. Ça se voit. Non, lui. En fait, lui, c'est dans le groupe, c'est. Ben, il a fait ses études de journaliste, là, il a son diplôme, etc. Donc, c'est vraiment le vrai journaliste, et nous, on l'accompagne en tant que chroniqueur, tu vois. Okay. C'est lui qui host et tout. Ouais, il connaît le métier, tu vois. Ça se voit, il est carré déjà, même. Tu vois comment il présente là dans le bail, là. C'est capté. Du coup, tu bosses en tant que journaliste, alors aujourd'hui. Aussi, ouais. C'est long. Okay. Et tu peux dire pour quel média, quel support? On va dire en ce moment, je suis pas sous contrat, je suis plus indépendant qu'autre chose. Ah, c'est lourd en donc plus. À côté de ça, le Renault entreprend. Un petit programme, tu vois. C'est ça. C'est bien. Ouais. C'est une bonne chose. T'as fait quoi comme école du coup? J'ai fait l'IEG. L'IEG, je connais. Ah ouais. Moi, j'ai fait Sup de Web. T'es dans le même bâtiment. Ouais, je connais bien. Si, les anciens. Ouais. les gars, ils parlent d'école. Moi, je t'en dis Jules Verne, moi. Juste un couillon. Jean Villard, couillon. Tu vois, des mecs comme ça. C'est une école. C'est une école aussi. Ouais, mais bon. Nous, on parle de ce qu'on connaît, nous, tu vois. Aujourd'hui, t'es plein. Amine. J'aimerais beaucoup. Mais je suis ici derrière vous, les gars. Je suis plein, il a dit. C'est mon gars, ma. Galère, nous. On s'est fait. CFA, ah, CFA, frère. Ah, ça, c'est ce qu'on vise, nous, frère. On s'en fout du dollar, nous. Fuck l'euro, fuck le dollar, frère. CFA. Que des CFA, frère. Voilà. Bon. Fort. Ouais. Et vous êtes d'où? Vous êtes de Boulogne, c'est ça? Ouais, moi, je suis de Boulogne. Moi, je suis d'Argenteuil. Argenteuil, il y en a d'autres qui viennent de Noisy. On vient d'un peu partout, en fait. Okay. Ah, donc, on passe partout dans le 7-8. Ouais. Oh, dans le 7-8. Dans l'Île-de-France. Dans l'Île-de-France, 78. Hélas, il n'y a personne. Il n'y a personne du 7-8. Il n'y a personne, c'est trop loin. C'est pas partout, les gars. C'est trop loin. C'est trop loin, Noisy-le aussi. Non, Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec, bon, c'est pas trop loin. Bon, j'avoue, nous, les gars, on est loin. On est loin d'où aussi? C'est ça, d'où tu pars? J'aime bien ce que tu dis, Mévis. Ah, frère, attends. Ouais. Donc il y a un peu tout, c'est bien, ça veut dire vous traitez, bah, c'est un peu sociétal et sport et... Mais c'est, en fait c'est la même ambiance ici, tu vois, c'est des potes, ça s'est passé, bah, j'ai rencontré, moi je suivais déjà l'émission, j'avais vu avec l'émission avec Despo, d'accord, avec Jean-Pierre Sec, et je crois il y a un mois et demi, je me retrouve dans un studio où il y a Taïk, etc, parce que je le connais, donc je viens le voir, et je vois Piggy, et en tant que... Fan, je lui dis, ah bah, je te connais, je suis tes émissions, etc. J'aime trop et tout. On a parlé de 22h jusqu'à 8h du matin. C'est trop longtemps. Tu sais même pas, frère. Je vais faire le lendemain. Je suis pas dormi, frère. Et après, il m'a proposé, il m'a dit, moi je lui dis, j'aime trop l'émission parce que c'est. Et moi, quand je suis rentré, direct, j'envoie un message. J'ai dit, ouais, j'ai rencontré les mecs de Starting Block, grave lourd et tout. Ce serait chaud qu'on y aille alors que tu m'avais même pas encore proposé. Ouais, tu m'avais juste dit, ouais, ça peut se faire et tout dans l'idée. Et moi, je leur ai dit direct, ce serait chaud d'y aller parce que c'est la même mentale que nous, ils disent ce qu'ils pensent et tout. Donc,
Et après, Piggy m'a relancé. On a sorti une émission. Et il a commenté l'émission, il m'a dit il faut que ça se fasse. J'ai dit ah moi je suis chaud de passer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Non, on devait le faire depuis la semaine dernière, je le dis, mais bon, comme c'est des mecs de Paname, il y a aussi des inconvénients. Ouais, il y a les bouchons, les bouchons. C'est vous le dire aussi, c'est vous le dire. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vous qui êtes dans les inconvénients. Nous on est bien dans notre verdure et tout. En ce moment, j'ai châtaigne en ce moment. La semaine était longue, on va en province. Ouais, non. C'est les frérots. Il y avait un péage. Non, l'air il est bien ici, c'est pas pollué. Ah, c'est pur, c'est pur. Ah, vous avez pris la 14 alors. Il fait froid même. Non, on n'a pas pris la 14. Non, l'Argenteuil, c'est deux semis en vrai. Non, on est venu de Boulogne là. Ah ouais, ok. Boulogne sans balle. Ouais. Non, Boulogne, c'est à côté. Ouais, c'est rapide. Boulogne, c'est rapide. Ouais, le soir, ça va. Mais l'autre, on a commencé plus tôt, donc c'est les bouchons, ça. Ouais. Ouais, on devait commencer beaucoup plus tôt. Et en vrai, de vrai, pour vous dire la vérité, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Dès qu'il a dit, ouais, les mecs sont dans les bouchons, j'ai dit merci. C'est bon. Je les remets la semaine prochaine. Parce que j'étais dans le speed. Ah, j'avais le mariage de mon petit frère. Ouais, exactement. Du coup, j'ai bombardé à Paris, tu vois. Et j'ai bombardé à Paris, moi je dis ah les gars, ok merci, alléluia. Parce que bon, je voulais pas, comme vous avez, vous êtes mis d'accord et tout, donc ça devait se faire. Et dès que vous avez dit ah donc ça va être un peu mort, les bouchons, j'ai dit ah poto, merci. Mieux, c'est bon, raccroche vite. J'ai vite raccroché, j'ai dit c'est mort, je raccroche. Non mais en tout cas aujourd'hui vous êtes là. Mais merci. Et ça se passe bien. Ouais. Et je vais aller découvrir le bail de Money Time. Mais pourquoi Money Time de toute façon? Ouais, ce que j'allais dire, parce que pourquoi Money Time là? Parce que. T'es en faire l'oseille ou? Non, même pas. Aucun rapport. C'est juste que ce soit le basket ou le foot. Ouais. Le moment le plus chaud dans le match, c'est toujours le money time, c'est toujours la fin. C'est là que la fin du suspense. Regarde par exemple hier, France-Belgique, ça s'est fait dans le money time. Donc voilà, c'est le moment que t'attends dans le match, c'est le moment le plus chaud. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Money Time. Tu vois, tu me fais penser à un truc que j'ai regardé tout à l'heure sur Netflix. Je me rappelle plus du titre. C'est ça, c'est un truc d'escroquerie dans le sport en plus. C'est pas la NBA, mais c'est juste avant la NBA. Tu vois, les mecs qui sont à l'université et tout. La G League, je crois. Hein? La G League, je crois. C'est la Junior League, un truc comme ça. Je crois. Un truc comme ça. Et bah, ça se paraissait aussi dans le Money Time. Tu vois, à chaque fois, le mec, en fait, il payait un mec. Et c'est tout. Bon, j'allais dire un truc de ouf, mais je le dis pas. Il payait un mec pour qu'il finisse à 6 points, tu vois, et toujours dans le money time, soit il faisait une petite gaffe, soit pour vraiment rester aux 6 points, tu vois. Ouais. Et vous allez voir le truc, c'est vraiment lourd. Ouais, okay. C'est vraiment vraiment lourd, tu vois. Et les mecs ils ont fini en prison, hein. Parce que le mec c'est escroqué. Il y a eu des millions et des millions d'euros. Ça, ouais. Il y a eu des millions. Le mec il sur 6 points, il a dit faut que tu gagnes à 6 points. Ça veut dire le mec il a misé 500 000 $. Oui, et il gagnait 1 200 000. Ah dinguerie frère, j'ai découvert ça tout à l'heure. Juste avant de venir ici, magnifique. Non, et, tu vois, bah, ça suit son cours en fait, tu vois, c'est le délire. C'est l'envers du sport, non? Le nom du. Je crois que ça. Ouais, c'est un délire comme ça. C'est lourd. Ah, je suis tombé dessus par hasard, c'est lourd de ouf. Et voilà, c'est un peu ce délire. Donc, Money Time, ok. C'est lourd en tout cas. Si vous kiffez Starting Block, allez regarder. Vous kiffez le foot aussi. Regardez Money Time et la NBA. Ouais. Ah, vous parlez aussi d'NBA. NBA, tu vois. Mais l'NBA, comment vous faites? Vous faut pas travailler pour suivre la NBA. Oh. C'est des chômeurs, ça. Ah ouais, je tire les cheveux. Ouais. Les matchs à 3h là. On regarde les matchs. Maintenant, il y a Bein Sport. Midi, il y a des Red Jumé. C'est ça. Moi aussi, j'aime trop regarder le NBA. Il y a plus ça que j'aime. Tu vois, le direct, il te fait vibrer. Mais quand je vais aller, je suis KO, je tombe KO. Même les matchs de boxe, les combats de boxe aussi, tu vois. Quand tu regardes la rediff, t'as pas ce truc. C'est pas la même chose. Tu vois, c'est psychologique. Même si tu te coupes des réseaux sociaux. Tu vas regarder. Ouais, après, nous, on est beaucoup dans mais après, tu vas savoir, tu vas entendre des trucs. Moi, je me réveille. Parce que je me réveille, la première chose que je fais, je regarde le truc, tu vois. Mais j'ai pas le truc, tu vois. On regarde pas tous les résumés. Tu vois, on est beaucoup. Donc il y en a qui sont vraiment NBA, donc c'est des fanatiques. Ils sont là, ils regardent les matchs et ils sont là pour analyser. Après, il y en a d'autres, comme moi par exemple, où moi je vais regarder parce que je parie ou parce que... Chacun son domaine, ouais, quoi. Ouais. Mais il y en a qui vont vraiment regarder parce qu'ils aiment ça. Donc s'il se réveille à 9h et qu'il dort à 4h, lui s'en fout. Il regarde, tu vois. Faut vraiment kiffer. Ouais, c'est pas un inconvénient, il fait pour parce qu'il en a envie. Ouais, du tout. Il sait qu'on va avoir une émission et qu'il en parle. C'est quoi le plus beau à regarder, le basket ou le foot? Normalement, c'est le foot perso. Après, c'est pas pareil. En vrai, ça dépend de ta passion. Ouais, moi, je suis un fan de foot, donc je te dirais logiquement, c'est le foot. Mais un fan de basket, il dirait basket. Et encore, hein, même si t'es fan de foot, j'avoue, la NBA, des fois, il y a des matchs. Non, c'est vrai que des fois, il y a quelque chose. Hein. On dirait du foot. C'est hein. vraiment. Ouais. On dirait du foot. Le Money Time, il correspond plus à la NBA. Hein, en vrai. Non, ça correspond à tous les sports. Ouais, en vrai. Il se passe pas grand chose au foot. Moi, je suis là quand. Je regarde pas trop le foot, j'avoue. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça, parce qu'encore une fois. Je regardais hier la France-Belgique. La France-Belgique.
dit hier, c'est le dernier cadre qui a fait le match. En fait, j'ai regardé parce que moi j'aime beaucoup Lukaku, en fait, tu vois. Il s'est fait gainer hier. Ouais, aujourd'hui. Mi-temps et puis après, silence. Il a raté ses passements de jambes encore. Voilà, moi j'ai pas regardé le match, j'ai regardé que des rediffs, mais on dirait qu'Ilian il était présent hier. Ouais, Kylian il a fini du match. Il a montré du caractère. C'est la minute. Il a montré du caractère. On est obligé de faire le money time. Vous êtes obligé de nous faire un peu de science là. Ouais, non. En fait, il a répondu présent. Lui, c'est ça à chaque fois. Quand il parle, en fait, quand il rentre dans, dans les médias où il s'exprime, etc., tu sais que c'est comme Son Goku, il se réveille, il fait du mal. Ouais, et ça. En vrai, il a prouvé, tu vois. Et personne n'a jamais douté, mais après la semaine qui s'est passée, ses parents qui ont parlé, lui qui a parlé dans la presse, ce sont des... il devait confirmer aujourd'hui, enfin, dans le match. Penalty, homme du match, en vrai. C'est ça, il a fermé retire les le penalty. Il retire le penalty, sachant que le dernier match de l'équipe de France, il a raté. Là, il a. C'est grosse, pour ça, moi, il y avait une grosse, grosse pression quand même. Ah oui, c'est ça. Il a assumé. Apparemment, c'est, c'est Benzema qui lui donne. Ouais. Ah, c'est Benzema qui lui dit. Ouais, il prend la balle, il dit tiens, vas-y, en mode. T'inquiète. Relance-toi. Relance-toi, tu vois. Très méchant. La connexion Benzema Kylian, c'est quelque chose quand même. Hein. Ouais, c'est encore à parfaire. C'est encore à parfaire. Ouais, mais les débuts, tu vois, je trouve que les débuts sont intéressants quand même, non? Ouais, c'est deux mecs de ballon. Ouais, c'est ça, tu vois. Ils se comprennent. Là, on parle pas de Giroud et de Tchèque Diabaté. Vas-y, c'est ça, t'as capté. Non, on parle de deux mecs qui, tu vois, ouais, ils connaissent. Exactement. Ça veut dire qu'ils vont trop chercher. Enfin, ça va prendre du temps, mais peut-être, je pense, dans la Coupe du Monde, ça sera carré. Ça sera carré. Ouais. Ouais. Vous avez pensé quoi de la sortie de Mbappé du coup dans la presse? Franchement, moi, la sortie, il a bien parlé. Ouais. Il a bien parlé. Les supporters du PSG ils attendaient des explications sur ses volontés de départ, pardon. Ils les ont eues. Ouais. Après Mbappé, on sait que c'est un bon communicant de base. C'est donc ça, quand il parle, il s'exprime très bien, carré, ouais. C'est carré. Il a pas sa langue dans sa poche. Je pense que même pour la presse, c'est un bon client, tu vois. C'est un bon client. Donc moi personnellement, j'ai trouvé que c'était bien. Après, je peux comprendre que les supporters parisiens, en termes de timing, ils n'étaient pas forcément satisfaits parce que c'est pas maintenant qu'ils veulent des réponses, c'était avant. Ouais. Mais sinon, moi, j'ai regardé l'équipe, j'ai écouté sur RMC. Le Parisien, sa mère, par contre, j'ai pas lu. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a bien communiqué. Hein. Okay. Ouais, moi je suis pas trop, je suis mitigé. T'es mitigé. C'est quoi, tu bloques sur quoi? En fait, il a trop préparé. Ouais. Tu vois que c'était préparé. Ouais. Tu vois, au moment où il devait parler, il a pas parlé. Quand ils ont perdu l'Euro, il a mis un post sur Instagram. Ouais. Quand il veut parler, il veut parler. Ouais. Là, il a fait traîner la chose, etc. Là, il a tout préparé, mais il a tourné en mode naturel. Roten, ancien de Monaco. Tu vois, il a voulu faire le mec naturel. Mais après, il a dit ce qu'il avait à dire, tu vois. Mais pour moi, même, c'est malvenu parce que t'es encore au PSG. Il dit qu'il voulait partir, tout le monde le sait. Mais pour moi, t'aurais dû fermer ta bouche ou parler plus tôt. En vrai. Moi, le timing, je suis pas cordon. Mais vous le voyez. C'est pas mieux qu'il s'en aille du PSG ou il est toujours... Après, il y a deux aspects pour moi. Si on parle sportivement, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le PSG. Après, le Real... Non, quand je dis il n'y a pas mieux dans le sens où au niveau du projet. Ouais. Le Real aujourd'hui, ça reste un club mythique, mais c'est un club qui est en reconstruction. Mmh. C'est-à-dire que Mbappé, je ne sais pas s'il a les épaules pour porter un club après la fin de Benzema. C'est-à-dire que c'est tout à reconstruire qu'au PSG... Là, ils ont ramené le meilleur gardien des 10 prochaines années. Ils t'ont ramené Messi qui a encore 2-3 ans. Neymar, il a encore 4-5 ans. Pour moi, PSG, c'est le meilleur projet à l'instant. Donc, et moi, c'est pour ça que je pense qu'il va rester. Mais ça fait longtemps ce projet quand même. Mais un projet, c'est ça. Ça prend du temps. C'est un petit club. Les Galactiques, ils ont gagné une Ligue des Champions. Les Galactiques, c'est ça. Même des clubs d'Angleterre, mon gars. Ça fait. C'est des histoires, frère. PSG, c'est assez récent, frère. Ouais, je suis le PSG, mais les joueurs. Moi, je parle des joueurs. Les joueurs, c'est des gros joueurs. Mais c'est pas comme ça. Il faut créer la mentale, la cohésion. La cohésion. Mais est-ce que c'est possible de créer une cohésion avec des gros stars, c'est ça, c'est plus dur. Des grosses têtes comme ça. Avec des gros égos. Est-ce que c'est possible? C'est compliqué. Je crois que c'est toi qui as parlé des Galactiques. Les Galactiques, ça n'a pas marché par rapport à ça. Parce qu'il y avait trop de gros noms dans le vestiaire. Il y en a qui avaient un certain traitement de faveur que d'autres n'avaient pas. Un vestiaire où il n'y a que des stars. Parce que dans toute l'équipe, tu as toujours besoin de mecs qui sont peut-être un peu moins forts. Qui font le sale boulot que les autres ne veulent pas faire. Tu vois. Mais quand tu mets que des stars, que des mecs qui ne veulent pas salir le short, c'est pas la même chose. Là, honnêtement. Moi, le projet t'es parisien mitigé. Avec toutes ces stars-là, personnellement, j'y crois pas. Après, peut-être qu'ils vont me donner tort. Tu vois. Moi, j'en parle souvent avec mes petits frères. Mais Pochettino, bon courage à lui. Hein. En vrai, hein. Franchement, bon courage à lui. T'as vu, pour gérer un banc comme ça, là, faut y aller. Hein. C'est chaud, moi. Parce que là, t'as pas vu. Enfin, si, je pense que tout le monde a vu que quand il a sorti Messi parce qu'il était blessé, pendant 2-3 jours, ça l'a tapé dessus. Il a sorti Messi, comment il est fou et tout, alors que le mec était blessé, tu vois.
Mais Messi, vous pas même s'il n'est pas blessé, de toute façon, si c'est l'entraîneur, il décide de le sortir. Ah, c'est Messi, tu peux pas sortir. Ça. Mais si il n'est pas blessé. Ouais. Il est là le problème. Lui, tu peux pas être plus gros que l'entraîneur alors. Mais frère, c'est Messi, frère. Voilà, il est là le problème. Et c'est là le problème, frère. C'est un gros problème, ça. C'est pour ça que moi, j'en parle souvent. Je connais pas trop le foot. Je connais même pas le foot en vrai, tu vois. Mais je vois un peu. Moi, j'aime bien le business du foot, surtout, tu vois. Et je vois les transferts et tout. Je me dis, frère, il y a trop de gros. C'est pas possible. Ça peut pas fonctionner. Mais ouais. Comme, moi, j'ai fait une comparaison, peut-être ça n'a rien à voir. Mais comment ils font dans le basket alors? Ah, mais le basket, pour moi. Ça fait longtemps, c'est comme ça. Je suis peut-être aussi, moins le basket que lui, mais au basket, les rôles, ils sont prédéfinis. Hein. T'as vu à Brooklyn quand. Harden, KD et Kyrie, chacun connaît son rôle. Hein. Okay. Y a pas un qui pète plus que l'autre. L'autre, il sait que c'est la troisième roue du carrosse, il va travailler. Okay. Et en fait, aux États-Unis, c'est quand on te recrute, on sait que t'es chaud, mais il y a plus chaud que toi. Okay. C'est-à-dire, ça met ton ego de côté un peu. Voilà. Alors que au PSG, par exemple, tu vois, Messi, l'arrivée de Messi, elle a frustré Mbappé. Ouais. Ouais. Tu vois, et il l'a fait ressentir. Okay. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est mieux géré, je trouve. Okay. Mais c'est mieux géré, c'est parce que ça fait super longtemps. Si on se rappelle de l'époque de Bulls, par exemple, les Bulls, tu vois, par exemple, avec Jordan, Pippen et tout, c'est tous des gros blazes en vrai. Ouais, mais à Chicago, Pippen, il savait qu'il travaillait pour Jordan. Voilà, ils savaient, mais c'est quand même. Ils ont réussi à mettre leur goût de côté. C'est voilà, c'est ça, Lakers, travaille pour Kobe. Kobe mais, et dans le foot, c'est encore. Parce que c'est un sport individuel, le foot, en vrai. C'est des mecs qui sont là. Ils veulent créer tout seul. C'est le foot aussi qui pousse à ça. Ça dépend, regarde, les meilleures heures du Barça, tout le monde jouait pour Messi. Ouais, mais là, tu me parles d'une exception sur 60 vrai, années de foot. C'est et c'est la meilleure équipe de tous les temps. Pour moi. Tu sais très bien que moi, je suis pas encore là. Ouais, je sais, c'est ça, je t'ai dit. Tous les temps. Ah, frère, ce qu'ils ont fait dans le foot, on l'a jamais revu. C'est pas tout le monde qui a gagné 6 titres en un an. Ouais. Et toi, t'es pour qui, toi, alors, toi? Ouais, Madrilène, moi. Gros, personne ne soutient pas Barça, frère. Ouais, tu sais. Ouais, il est pas pour Elti, hein, tu vois. C'est sûr, il est bon. C'est vrai, je suis con. En fait, un footeur a capté, quoi. Mais comme c'est Mao, il s'en bat les rats du foot. Il a pas capté le bail. C'est normal. Mais bon, en tout cas, bon, la musique sport est passée, je pense. Ouais, c'était bien. Même moi qui regarde même pas le foot et tout, j'ai beaucoup aimé. C'est lourd. Là, vous m'avez donné envie de regarder du foot. Non, t'es fou, leur truc, il est lourd. Moi, j'aime bien même ces Cali, j'aime bien votre truc, comment c'est Cali. Votre visuel et tout. Moi, Piggy m'a dit, va regarder. Je suis allé regarder. Première vidéo, j'ai vu un peu votre présentation et tout. J'ai dit, oh, très méchant. Même votre plateau et tout. Et du coup, moi, j'avais une question, c'est les émissions, c'est hebdomadaire. C'est mensuel, vous les sortez tous les combien? Vous faites du starting block. Ça dépend. Ou peu importe. Ouais. Non, on est régulier. En fait, ça dépend. On avait commencé de base à faire des podcasts toutes les semaines. Ouais. Et entre temps, il y a eu un truc, je crois, qui a mis des bâtons dans les roues de tout le monde qui s'appelle le Covid. Ouais, et derrière le confinement, il y en a eu 12 depuis des confinements. Mais le premier vrai confinement qui a fait que tout le monde était chez eux, c'est un peu là que voilà, on a essayé de se rebrander, on va dire. On a vu ce qui marchait moins, ce qu'on pouvait proposer de nouveau. Et du coup, on est parti sur des nouvelles. Enfin, on va dire qu'on a mis un nouveau calendrier pour nous. C'est-à-dire qu'on fait un podcast, voire peut-être deux grands maxi dans le mois. Okay. Mais à côté de ça, on fait du programme plus adapté aux réseaux sociaux. Qui réagit de manière plus directe à l'actualité. Tandis que sur un podcast, voilà, on va s'étaler pendant 40 heures. Et on va vraiment développer. Tu vois. Ouais, c'est bien. Ok, prenez des notes, les gars. C'est bien. Non, ça fait plaisir. Moi, je kiffe voir des frères s'organiser. Tu vois. Il faut de plus en plus que des gens prennent la parole. Tu vois. Parce que comme il disait, on n'est pas représenté. Notre parole, elle n'est pas représentée. Ça veut dire que pour contrer certains arguments, des fois, il n'y a personne, t'as la haine devant ta télé. Ça veut dire, au lieu d'attendre qu'ils nous invitent, portons nos couilles, faisons nos trucs. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, clairement. Donc moi, j'encourage les gens. Bah, clairement, moi, j'encourage. Tu vois, moi, mes potos, moi, j'ai une équipe aussi de WhatsApp aussi. J'ai un groupe WhatsApp avec mes potos. Et je te jure, je leur ai dit, les gars, parce que quand il y a des matchs, ça casse les couilles. Tu vois, il n'y a que des notifications de foot. Je dis, mais les gars, j'ai un créneau radio. Voilà, j'ai un créneau le mardi. Allez faire une émission. Je l'aurais présenté. Allez faire une émission. Et vous l'avez faite, c'est lourd. Et vous, ça fait combien de temps existe votre émission? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans. Ouais. Enfin, on va commencer la 4e année. Ouais, on commence la 4e année. Ah ouais, c'est du réel. Hein. C'est bien. On espère, on essaye de faire du bon travail. Tu vois. Faites ça bien. Et en plus, vous n'êtes pas dénaturé, c'est ça que j'aime bien. Non. Souvent, les gens, quand ils veulent faire un truc pro, ils prennent un autre costume. Au départ, on a essayé de faire ce truc. Carrément, on s'appelait par nos prénoms, mais j'ai pas les blagues et tout. Au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, c'est ce qui faisait
le WhatsApp, c'était pas ça. C'était qu'on était naturel. J'aime pas ton haut, je vais te vanner pendant l'antenne alors qu'on débat sur Mbappé. Tu vois, des trucs. En fait, il faut que ce soit nous. Il faut que ce soit nous et surtout, il faut que les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils se sentent concernés, il faut qu'ils se disent qu'ils nous ressemblent. Tu vois. Donc, c'est surtout ça qui fait l'émission. Non, rester comme ça, c'est bon. Moi, je suis allé dedans, je dirais, là, je suis avec mes un coup. Voilà, je suis avec mes un coup. Gros, il t'a dit, on a parlé jusqu'à 8h du matin. Non, on a parlé de vous. C'était trop. Non, c'était trop. Tu connais les studios commencés. Ouais. On devait tous rentrer. Il y a eu un bail Vegeta, comment il s'appelle, Goku là. De fou. Du fusion, direct. Fusion, on a connecté. Il m'a dit, les frérots, il faut comme toi, mais dans le foot. Ouais, direct. Et là, pareil, on peut parler de rap. Là, il parle de foot, mais on peut parler de rap. On peut parler de rap. On a parlé plus de rap. Non, on a parlé que de rap. On a parlé que de rap. De toute façon, ça se rapproche assez rapidement. De toute façon, t'as vu, c'est notre culture. C'est notre culture. Ça se rapproche assez. En tout cas, là, on est venu parler. Bon, on a eu. On a bien parlé de sport et j'ai beaucoup aimé et je pense que ça a refaire. Mmh. Et là du coup on va parler musique. Ah fort. Merci. On va parler musique et on va parler banger. Banger 1, ouais, volume 1, parce que. Ouais, noir. J'avais oublié carrément qu'on allait parler de ça. C'était dans un bon bail. Là, on peut continuer. Mais c'est bien d'assimiler les deux, mon comme gars. Ça, il voit le bail aussi. Oh, tu vois. Il y a Noir qui est sorti, je sais pas si vous l'avez écouté. Ouais. Ouais. Le dernier volume. Pas encore écouté. Moi, j'ai commencé à l'écouter et franchement, pour moi, c'est le meilleur de la série des trois Noirs. Okay. Tu vois, en termes de cohérence des projets, les choix d'instru, je trouve que c'est bien uniformisé. Je trouve qu'il a fait un bon travail. J'ai trouvé les flows beaucoup plus intéressants. Il a réussi à encore me surprendre, tu vois. Parce que Macteur, c'est quelqu'un qu'on écoute depuis longtemps. Là, il a réussi à me surprendre sur certains sons. Les featuring, je les ai trouvés intéressants aussi. Mmh. Freeze ton gars. Ouais, normal, tu connais. Mmh. Mais donc, franchement, je crois qu'il y a Leto aussi. Le son avec Leto aussi, j'ai bien kiffé. Mmh. Ils ont fait un son passage de relais, tu vois, deux générations. Et franchement, bien Macteur, tu vois. J'aime bien quand il est dans ce mood-là. Des fois, bon, on sait qu'il est créatif, des fois il part dans des trucs. Bon, c'est Macteur, on lui pardonne, tu vois ce que je veux dire, mais quand il est en mode terre-terre comme ça, moi, il me convient bien, il me plaît. De toute façon, Macteur, en général, il nous a toujours mis d'accord. Hein. Je crois que c'est quoi? C'est son troisième projet qu'on va faire là, je crois. On a fait d'où je viens. Non, on a fait un autre aussi. On a fait d'où je viens. On a fait d'où je viens, non, il est celui-là. Là, ça va être on n'a pas fait le général. On a pas fait le général. Je crois qu'on a fait général, poteau. Si, on a fait général. Tout au début, ouais. Si, je crois qu'on a. Il y a deux ans. Ouais, avec un invité. Et c'est pas avec BFG. Non, avec BFG, on avait d'où je viens. D'où je viens, avec BFG. Bah, avec une autre personne alors. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, on fait banger. Voilà. Aujourd'hui, on fait banger 1. Voilà. Bon, qui veut commencer? Mais noir, quand t'es. Hein? Noir, oui, j'en suis. Oui, moi j'ai écouté. Que dire? Ouais, comme tu dis. Bon, déjà, sur le fait qu'il fait beaucoup de feats avec des jeunes, enfin, des gens qui sont pas de sa génération, tu vois. Mm-hmm. Ça passe toujours généralement bien. Mm-hmm. Comme tu dis, il y a un peu passage de relais, cohésion, bonne connexion. Après, voilà, c'est les premières écoutes. Il faudrait écouter un peu en profondeur. Mais voilà, comme tu dis, ça reste cohérent avec les deux, Noir 1, Noir 2. Voilà, c'est le général, hein, mon frère. De toute façon, voilà. Rien à dire, frère. Joe, tu l'as pas écouté, toi, tu m'as dit. Non, moi, j'ai pas écouté encore. Les refs, vous avez écouté, vous? Ah non, moi, j'ai écouté. Ouais. Puisque la semaine dernière, on devait venir et il fallait écouter. Et l'album, le projet venait de sortir. Moi, j'ai écouté, j'ai aimé. En fait, je trouve que là, il est plus dans la recherche de prouver quoi que ce soit. Exactement. C'est fluide. En fait, dans les autres projets, il était dans une revanche un peu avec lui-même. Il voyait des mecs qui devaient pas être là. Lui voulait absolument montrer. Là, il est arrivé en mode je fais des feats avec Freeze, avec Leto et je parle tranquille. Oui, il a même du genre. Même c'est ça. Il a accepté son statut d'orient. Je crois qu'il a du genre maintenant. Non, ouais, là, tu vois qu'il se fait plaisir. Ouais, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il se prend même pas la tête. Avant, il était un peu en mode rookie. Je veux prouver que je suis toujours d'actu. Ouais. Maintenant, il est en mode ancien. En mode ancien. Et moi, je pense que c'est mieux cette place-là, tu vois. Moi, j'ai aimé. Il y a des sons comme avec Freeze, Grammy, j'ai bien aimé. Ouais, moi je trouve chaud. Je trouve que dans l'air du temps, il a pas voulu faire tout ce qui est drill et tout, des instrus carrés. Moi j'ai bien aimé personnellement. Ouais, il est pas dans le jeunisme. Ouais, non. Il fait toujours son rap qui correspond à son âge, qui parle peu aussi aux jeunes, mais voilà, ça reste du rap d'adulte entre guillemets, tu vois. Non, moi j'aimais. Kevin, moi j'ai pas écouté encore en entier.
parce que pour être franc, MacTeur, j'aimais moins, on va dire. Parce que, mais justement, en fait, là, le peu que j'ai écouté du projet, j'aime bien. Surtout Grammy, tout le monde en parle. Le clip est sorti la semaine dernière, mais j'aime bien. Et justement, je trouve que sur ce projet-là, ça me donne limite envie d'écouter Noir 2 et Le Premier Nord. Parce que je trouve que ce que je lui reprochais avant, il l'a gommé. C'est-à-dire qu'avant, je trouvais qu'il y avait un décalage avec ce qui se faisait dans, avec l'air du temps, en fait. Et là, je trouve qu'il a trouvé la recette, peut-être, qui fait que tu sens que c'est un ancien. Mais tu sens que malgré le fait que c'est un ancien, il est quand même il arrive à s'adapter, quoi. Tandis qu'avant tu sentais que t'es limite, t'avais l'impression qu'il était aigri dans ce qu'il chantait, tu vois. Et là je le ressens moins. Non poto, moi je te dis clairement, il a fait du Zay. Il a pesé de ouf, frère, roulage le. Ouais, mais c'est mérité aussi. Mais c'est mérité. Ah non, complètement. Ouais, frère, non. Et tu vois comment il s'habille aujourd'hui, tu vois. Il s'habille mal, ouais. Aussi, ouais. Après, les mecs, ils ont de l'oseille, ils s'habillent mal. Non, mais après, il s'est toujours bien habillé. Il s'est toujours bien habillé. Non, ouais, mais bon. Il a toujours bien habillé. C'est, ouais. C'est un des premiers rappeurs à mettre du luxe. Oui, tout ça. Mais là, c'est un peu. Là, il est sur de la haute mode. De la vraie mode. Maintenant, il est en mode hype beast un peu aussi. Il fait un peu hype beast. Moi, c'est des trucs qui me dérangent. Dire, moi, je trouve que des fois, il fait un peu du jeunisme dans certaines tenues. Dans les tenues. Il veut montrer qu'il est toujours actuel. Les derniers off-white, les derniers trucs de plus. Je suis sûr d'un designer. Non, pas du tout. Tu vois, il s'habille tout seul. Ouais, bien sûr. Moi, quand il s'habille comme ça, j'ai l'impression qu'il se fait conseiller. Non, c'est un camère. Justement, il va se faire conseiller. Tu me diras, c'est vrai en plus. En vrai. Voilà, c'est ça, je crois. Camère Congo, c'est des mecs qui n'ont pas besoin, c'est de la fibre. Ouais, non, il kiffe ça aussi. Il aime ça. Moi, je trouve que j'ai mis dans le. Dans le textile. Mais je trouve qu'il fait un peu comme la fouine, tu vois. La fouine aussi, mais ça rêve un peu. La fouine, c'est plus, tu vois. Mais d'ailleurs, il le fait plus subtilement, mais il le fait un peu des fois. Il est content, tu vois, quand il a une fouine. Mais après, pourquoi ça te. Non, parce que pour moi, il devrait pas être content. Il devrait, et normalement, pour moi, comme c'est un alliance, il devrait nous montrer d'autres choses. Il devrait pas nous montrer des trucs de jeunes que les petits 18 ans ils peuvent se payer ou qu'ils vont mettre sur Instagram toute la journée. Pour moi, il devrait avoir d'autres références, tu as capté. On peut faire les deux. Mais après, bon, c'est une histoire, de goût, tu vois. Non, c'est la manière comment il envoie. Mais toi, c'est ta mentalité de l'habit. Lui, il a une autre mentalité de l'habit, en vérité. Quand tu regardes bien comment il s'est toujours habillé, tu vois qu'il a une autre mentalité de l'habit. Toi, t'es dans les placements. Bien sûr. Lui, il n'est pas que dans les placements. Moi, je pense que c'est plus la manière comment il emmène le truc. Parce que tu vois la manière comment il emmène la fouine et MacTeur, c'est complètement différent. Pas toujours. De toute façon, je suis même pas trop en vrai. Mais bon, on va faire banger. Vous voulez commencer par quels sont les gars? Vous oubliez. Ah non. Oh, vas-y, on l'a pas sélectionné. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas sélectionné. C'est ton pote, c'était Vito. Non, c'est son pote. Il a fait le premier. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Toi, t'as pas choisi. Mais Banger, c'est qui a choisi Banger? C'est moi qui ai choisi. Banger direct. Vas-y. Banger direct. Est-ce que je l'ai sous. Oh, il est là, Banger. Banger. GoFast Music a fait la prod. Qui ça? GoFast Music. Je rappe le sud de New York. C'est moi qui connais le rap, c'est toi qui me supporte. Le général a du mal à s'imposer. Les portes me sont fermées, je vais tout faire exploser. La drogue j'en ai trop vendu, pas besoin d'une pesette. Je vends pas du rêve, je fais pas du rap de Cosette. Soso Hebs, gros pèse, gros jazz. 5D dans mon 9-3, Martin Scorsese. Grosse pétasse que tu baises en brochette. La schneck en feu, incendie criminel. Si j'ai plus rien à faire, j'dois continuer de faire. Je viens de Sipak, j'entends le bruit des enfers. Ces rageux qui ne m'aiment pas ont toujours trop chaud. Trop d'années dans ce game et j'ai toujours le mojo. Timberland jaune comme le Roro de ta chaîne. Je suis comme son fusil braqué sur ta tête. La rue ne m'a pas tout pris, j'ai l'esprit dans la brume. Le système est comme une pieuvre, je suis dans ses tentacules. Prends ça dans ton cul, j'ai le flow danger. Comme IPMG, j'appelle mon projet Banger. 1-2-1-2, microphone check. Moi j'aime le hip hop, les autres je sais pas. Big boss, caisse claire, grosse caisse. Docteur Saut, plume chirurgicale, banger. Plume chirurgicale, banger. Belle fille et voyou, dans son mot son banger. Docteur Saut, plume chirurgicale, banger. Comme IPMG, j'appelle mon projet banger. Survivre à l'impossible comme Oliver Queen. Passer des moments difficiles comme Oliver Twist. Je sors plus d'albums sans être numéro. Ce projet vraiment. C'est un gros retour. Ouais, comme on le disait en off. Ouais, sérieusement. Et j'ai peur que la première partie soit le niveau du volume là, des micros soit pas bien, mais bon, on verra bien. Ça va aller, tu connais de toute façon. Et c'est vrai que c'était une période où il était un peu dans. Ouais, c'est soit.
Amibis. Ouais, ouais, bah voilà, un son bien hip-hop, bien style New York, de toute façon il dit dans le son, hein, tu vois. Ouais, c'est ça qui m'a fait kiffer ce son. Prod de GoFast, on a dit, c'est ça là, GoFast Music. Ouais. Donc voilà, hein, tout le flow, tu vois, ouais, tu vois, les références, tu vois, qui dit dedans, dans le texte, tu vois. Voilà. Lourd. Je suis corda. Non, vraiment, là, ce son-là, je vais aller, je rentre chez moi et je l'écoute sur la route. Ah oui, normal. De toute façon, c'est ce qu'on fait d'habitude, ouais, tout le temps en général. Là, je te jure, tu l'écoutes tout le temps. Tu vas tout réécouter. Ah, normal, frère, mais vraiment, putain, banger. Mais c'est vrai que c'est une période où il était un peu dans le creux de la vague et il arrive avec une. Je crois que c'était une mixtape surprise, un truc comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est ce qu'il a. C'est ces projets-là qui l'ont fait reconnecter avec la jeunesse. Voilà, les gens qui le connaissaient pas, qui connaissaient pas Tandem, etc. Il y en a, ils l'ont découvert sur Banger. Voilà, voilà, exactement. Exactement. Il avait du mal, sa c'est le début de sa deuxième carrière, on va dire. Ouais, exactement. Ouais. Son deuxième souffle. Exactement. Ouais, donc, en tout cas, je suis corda. C'était juste après Artrix, je crois. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ok, bah, banger choisi par Mibis. Voilà. Là, on a quoi d'autre, là, les gars? On a quoi? Money Time. Vous voulez vous lancer? Non, ah, Money Time, c'est Money Time en vrai. Ouais, c'est... Ouais, c'est non, non, Money Time, on a l'outro en Money Time. On a l'outran, Money Time, là. Vas-y, bah c'est Joe, alors. Moi, c'est Batman. Batman. Ouais. Tu mais en parler maintenant non, ou... Non, on va faire un peu des deux, parce qu'en fait, en vrai de vrai, j'ai hésité avec Hustler. C'est ça, hein? Hustler, ouais. Le premier, ouais. Le premier. Ouais, ouais, mais en fait, c'est trop lourd à porter de vouloir ouais, choisir ce son-là. Parce que j'avoue, il tabasse dès l'entrée. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ce son-là, il a une histoire. En vrai, il revient avec ce son-là. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, il revient, clip, noir et blanc, tu comprends pas. Tu vois, monter, tu vois, tu dis non, frère, t'as vu, je choisir ce son-là, là. Monter, mon gars. Ou pas ouais. Monter, les gars. Tu vois le délire ou pas? C'est-à-dire, il revient avec ça en mode, tout le monde, il est choqué, en mode, ah ouais, il est revenu, ça y est. En mode déter, énervé, t'as capté, ouais. Même merchandise à fond dans sa marque, tout ça, tu dis non, ça y est, il va revenir, il va le faire, t'as capté. Il avait même mis le numéro direct dans le clip. Ah, le numéro de livraison. Ah, le numéro de livraison. Il est dans ce clip-là. Tu vois, t'as capté ou pas? Il revient. Il est vraiment venu en mode. Non, il est revenu en mode, t'as capté ou pas? Il est venu en mode, ça y est, je suis revenu en mode, j'ai repris du poil de la bête, je me suis relevé, on va refaire du sale. Et il en a fait. Et il l'a fait. J'étais fou, toi. Je suis corde avec toi. Même t'as vu le donc clip. Donc t'aurais dû garder celui-là pour toi. Non, 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 non. Là devant les musées, je comprenais pas. Là j'ai Batman devant les yeux, mais il me parle de Hustler, frère. Non, mais je te dis pourquoi. Mais au fait, au final, le problème de Hustler, tu connais, c'est Hustler. Moi, tu connais ma mentale, elle est plus calme maintenant. Ouais, je vois. Ça veut dire, t'as capté, il faut que je prenne un son qui va avec ma mentale de maintenant. J'ai capté. Et ça veut dire maintenant, en réécoutant le projet, ma mentale de maintenant, c'est Batman. Moi, c'est que de Batman, on revient. Vas-y, alors. Fingue. Vas-y. Nouveau cycle, nouveau départ. L'esprit vainqueur, c'est de ne pas regarder derrière soi. Oui, c'est vrai, j'ai pas grandi dans la soie, plutôt dans la foi. Le ska, j'ai même dû prendre du Xanax. Heureusement que j'ai une Mifa. Grâce à Dieu, je ne suis pas seul, t'as qu'à demander à Mirsa. Nique sa mère, les fils de pute, je suis désolé pour l'insulte. Mais quand la colère m'attrape, elle me lâche plus comme un pit. Ah, l'histoire de ma vie, tu la vois à travers mes clips. Je ramène les ténèbres comme le soleil, mes ennemis s'éclipsent. Je regarde cette jeunesse complètement débile. L'argent de ses risques dans une chicha pomme et une biatch de Tessie. Dans la vie j'ai déjà tout vu sauf ma réussite. Un négro riche de Paris jusqu'en Afrique, pour moi c'est possible. De mes rêves je m'éloigne, je voulais devenir une étoile. J'ai les yeux fermés comme un poing en l'air dans un gant de cuir noir. Les poings serrés, les dents serrées. Frère incarcéré, c'est plus la peine d'espérer. Le moteur a serré, nos âmes sont bonnes qu'à errer. Cette femme, je voulais la serrer, la vie c'était trop serré. Le poing serré, les dents serrées. Frère incarcéré, c'est plus la peine d'espérer. Le moteur a serré, nos âmes sont bonnes qu'à errer. Cette femme, je voulais la serrer, la vie c'était trop serré. Dans le bout, j'aperçois la lumière comme celui qui a failli tuer Batman. Batman. J'aperçois la lumière comme celui qui a failli tuer Batman. Batman. Dans le coffre, j'aperçois la lumière comme celui qui a failli tuer Batman. Mais carrément, on peut pleurer là. Ouais. Là, on peut pleurer là. Non, mais t'as capté. Mais tu vas pas pleurer de tristesse. Ouais, tu vas pleurer de joie. T'as capté ou pas?
il envoie la petite voix derrière qui t'apaise, tout ça. T'as capté, tu vois pas? En mode visionnaire, même en vrai, dans son là, en mode, il montre sa vraie vision. En mode, il est vraiment en mode, j'étais au sol, mais en vérité, t'inquiète pas. Je suis toujours là. Je suis encore là en vrai. Tu vois le délire ou pas? C'est ça. Ça veut dire en vrai, moi, même à l'époque, t'as vu ce son là en vérité? Quand je l'écoutais, j'ai dit, j'avoue, ce son-là, il est bien, mais pourquoi il a mis un son comme ça dans le projet? T'as capté ou pas? Parce qu'en vérité, il dénote un peu comparé à d'autres projets. T'étais plus trap, le projet. Tu vois le délire ou pas? Et là, ce petit son-là, en mode, vas-y, ça, c'est fait pour Gamberger, en vérité. Tu vois le délire ou pas? Donc, je comprends pourquoi tu l'as choisi. Ouais, ça te va mieux, ça va mieux au nouveau Joe. Nouveau Joe, c'est bien. T'as capté? Non, c'est le Joe, c'est un seul show. Laisse tomber. Je vois pas ça, comme il dirait, comment ça s'appelle, ça va, les Haflik. Mais non, bien. Et j'aime bien que Macter, il nous ramène toujours à son amour pour la black music. Exactement. Tu vois, des belles voix, des bons samples. C'est ça. Il y a l'autre là, Thomas, c'est ça? Ouais. Surtout Thomas, les voix, tu connais, moi je kiffe les voix, les trucs comme ça, c'est mon, c'est lourd, franchement. C'est mon kiff, moi. Non, là tu nous as apaisé là, ça y est, là j'étais excité, là je suis en paix avec moi-même, là, ça y est, là je suis... Pépère. Money Time, Kevin. Ou Cookie qui veut. Moi c'est pas de solution. Alors, je voulais mettre vous m'oubliez, mais vous m'oubliez, t'as hésité. Bon. Sérieusement, vous m'oubliez aussi, j'aime mon gros. Vous oubliez, vous kiffez sur des PD. Je vais faire comme le poteau. Je vais parler de ce son là, mais c'est pas mon choix. On fait toujours ça. C'est normal. En fait, ce son c'est. Il y a trop de sons magnifiques. C'est en fait le message, il est plus profond que les paroles. Ouais, vois. Ouais, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, il arrive à un moment où il veut revenir. Dans le rap, c'est bizarre. Ouais, c'est 2012, 2013, c'est un 995. Respect à eux, tu vois, mais il est dans un délire où. Parce que maintenant, on respecte Nekfeu, mais quand ils sont arrivés, ces mecs-là, tout le monde l'a tapé dessus. Ouais, les gens, ils acceptaient pas. Donc, c'était dans ce délire où il y a des gens bizarres qui arrivent dans le rap. Pourtant, moi, je suis là. Avec des phrases très, très choc. Du vécu, des vrais trucs. Maintenant, ça peut plus se dire, ce genre de truc. Mais c'est plus l'intention dans le mood où il était quand il a sorti que j'ai bien aimé oublier. Sinon, moi, c'est pas de solution avec Alonso. Où Alonso il arrive, il fracasse le son. Alonso, c'est quand il revient aussi. Ah ouais, c'est quand Alonso, le nouveau Alonso. Les deux, ils sont sur les deuxièmes parties de leur carrière. C'est ça. Exactement. Et Alonso, il envoie un tout un sacré couplet. Ouais. Moi, Alonso, il a fait un truc très difficile à faire, qu'on a très peu vu dans le rap. C'est se réinventer. Se réinventer. Il s'appelait s'améliorer. S'améliorer carrément. Tu vois, en termes de flow. Non, c'est vrai, tu dis. En termes de flow, d'image. De tout. C'est fort. Comme rien nouveau. C'est vraiment son nouveau. Pas de solution. Tu vois que c'est le même de psychiatre de la rue. Mais travailler. Genre, tu vois la progression. Et aussi, je pense qu'il s'est mis au niveau de McTayer aussi. Tu vois, il a respecté le suite. Voilà, il ne fallait pas se louper. Et ça donne un bête de morceau de mecs, ouf. Ils vont dans des feats, ils vont juste pour être sur l'album. Voilà. Là, pour moi, il a honoré, puisque on se rappelle vraiment de son passage. Et pour moi, ça, c'est un truc réussi. Technique. Quand tu ramènes un mec, et 10 ans après, on parle encore de son passage. Ouais, pour moi, c'est réussi. De toute façon, McTayer, c'est un mec qu'en général, on respecte. Ah, parce que c'est un honneur quand il t'appelle en vrai. Il est respectable, lui. Parce qu'il a une grosse histoire, tu vois. Ouais. Donc, pas de solution. Mais on en parlait en plus dans les séries, tu vois. Moi, en tout cas, il a un des meilleurs clips du rap français, frère. Lequel est le Le jugement, la trilogie. La trilogie, ouais. La trilogie. Pour moi, c'est un des meilleurs clips du rap français, ça. Ce n'était pas le deal. Selon moi, pour moi. Non, il a fait. Et 93 hardcore aussi, hein. Dans tes hardcore, c'est quand même mais c'est quartier, il y a rien de spécial, tu vois. Mais là, en mode storytelling, là, oui, tout ça. Oui, en mode oui. Il ramène un vrai truc, ouais, frère. C'est vrai, et c'est en vrai. Plus, non, les moyens. Chacun, même le morceau, chacun est à sa place. Ouais. C'est-à-dire qu'Iridium, tu le vois pas ailleurs que Plaidé, frère. Ouais, ouais. Tu vois, Jam, tu la vois pas ailleurs que. C'est un court-métrage. Tu vois. Et en indé. Et en indé, ouais, tu vois. C'est pour ça que pour moi, le truc. Et le truc, comment il est ficelé, là. Frère, magnifique, Arsenic Nino qui fait l'alcoolo. Ouais, magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait Mélanie James aussi, non? James, c'est vrai, qui est procureur. Procureur. Ouais, tu vois? Ouais, franchement, lourd. Tout le monde bien fait. Ça frappe, ça frappe. Moi, personnellement, c'est un des clics qui m'a dit, wesh, mais non, c'est pas un mec en Indé qui a pu faire ça, tu vois. C'est trop gros pour que ce soit un mec en Indé. Elle a porté ses couilles, mon gars. Elle a porté ses couilles. Hein. Et je comprends pourquoi elle avait plus d'oseille. T'as capté. Mais là, en plus, il le dit. Il a perdu de l'argent. C'est pas s'il a fait faillite, mais il a perdu beaucoup d'argent. Mais il dit qu'il le dit clairement. Sur celui-là. Non, mais sur sa carrière. Moi, je pense que c'est le moment de Patrick. Quand il fait ses sons électro, t'as
Miami et tout. Ah oui, il a fait un gros clip. Il avait beaucoup d'argent aussi. Ouais. Mais non, de toute façon, c'est dans l'ensemble de sa carrière, tu vois. Wallah, que ce projet est bien, vraiment. Beaucoup investi, tu vois. Ah oui. Wallah, qu'il est fou. Ouais. Mais tous ses projets sont bien en général. Moi, j'ai bien aimé aussi. Non, c'est un bon projet. C'est pas son meilleur. Il est pas corda. C'est pas son meilleur. Ah non, personne n'était corda quand il est sorti. Quand il est sorti. Mais maintenant, quand tu réécoutes la musique et tu t'as l'âge. Tu te dis, en fait, non, c'est pas ridicule. Ouais. Alors qu'à l'époque, je me dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il fait, Les gens n'ont pas compris. Il était juste un peu en avance, en final. Pas juste beaucoup. Un peu, beaucoup. Énormément. Ouais. Beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent des prods électro, ils rappent dessus, il n'y a rien du tout. Et c'est normal. C'est rien. Atrix, c'est là-dedans, il y avait. Exactement. C'est ça qui a perdu le jeu. C'est ça qui a tué. Les gens n'ont pas compris. Ils ont retenu que ça sur l'album. Mais parce que c'est Mac Taylor, gros. Mais il aurait pas dû le marketer. C'est Mac Taylor. Il aurait pas dû le marketer. Ouais, il a bougé. Il aurait dû laisser. Ah ah là. C'est ça, je t'ai dit. Tu vois, rouge, voilà. Tu le laisses dans l'album, tu le clips pas. Ouais, tu vois, ça, ils vont tomber dessus, ils tombent dessus. Mais lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit là, je suis à l'avant-garde avec ça. Ouais, ouais, c'est ça, il a joué à l'avant-garde. Feu rouge, ça correspond plus à la fouine. Ouais, non, c'est vrai qu'il est moins choquant parce qu'il est plus cohérent. Et ça lui correspond pas plus. On l'entend pas bien. On l'entend plus, Kevin. Ouais, c'est micro 6, vas-y. Ouais, c'est bon. Excuse-moi. Je fais sa beauté, hein. Ça m'a censuré. La censure, ouais, censure. Ouais. J'avoue. C'est parce que t'as donné des compliments à la foule. Il y a des gens qui l'aiment pas ici. Ah ouais. Non, plaisante. Attends, dans le 78, quoi. Non, plaisante. Non, c'est vraiment plaisante, mon gars. Ah ouais? Crois pas ça, on rigole. Ah non, c'est chez vous, ça. Ici, on est en paix ici. On est en paix pour nous. C'est pas trop en paix, 78 ans. Hein? Si, ça va. Nous, on est en paix avec tout le monde, en gros, quoi. Ah, vous, l'équipe? Ah oui. Oh ouais, c'est bon, ça. Les gens nous font retirer des choses et tout. Tu vois, j'ai toussé. C'est-à-dire, même mon corps, il voulait pas le dire, je crois. Mon corps, il voulait pas le dire. Mais bon, y'a rien, mon gars, on est ensemble. Là, tu vois, y'a pas de solution, faut tout dire. Vas-y, frère. Allez, le Ruquier. Non, mais attends. Du coup, on en reparle après. Vas-y, frère. De Kaira comme un produit prohibé. Plus de 10 briges que la rue nous a validé. Gros, on n'est pas nouveau. Yes. Mais toi tu l'es. Des ratatatatatatata, sautez dans de l'air. Rap de Kaira comme un produit prohibé. Plus de 10 briges que la rue nous a validé. Gros, on n'est pas nouveau. Yes. Mais toi tu l'es. Des ratatatatatata, sautez dans de l'air. Gros, ça vient de la rue, le rap game c'est la récré. Dis-toi bien qu'un jour le général va s'arrêter. Et là vous direz putain ce négro était trop vrai. T'es peut-être mythomane, regarde la rue derrière les volets. J'ai encore la dalle comme jaune du ghetto fam. Devant les portes de l'enfer, est-ce que tu appelles des sables? Animal sauvage, toujours en cage, du mauvais côté du fou, hein. Pour pas grand chose, on se fait des choses de fou, mec. On s'en va au cimetière, ok. Laisse-moi qui gros ou je sens le cric pas dans les fils de l'auto. Nique sa mère la chance à la thèse, on ne connaît que la haine. Pas les chiffres du loto. Je sais que je dois mourir pour être enfin reconnu. Travail de fourmi pour retrouver la formule. Toujours la forme, les facultés d'un mutant comme dans X-Men. C'est avec toi que j'en embrouille, lui de quoi il se mêle. Quand j'ai vu ce recours sans vie, j'avais le cœur réduit. En concert dans la street Zer, le 9 milli chante son prochain opus. On rap la rue, on lâche pas, rugit comme le lion. Soldats sous gancha, armés comme la nation. Generation Fun qui s'engage dans la légion. Kalashnikov chargé, c'est pas la solution. Pas la solution, pas la solution. Kalashnikov chargé, c'est pas la solution. Pas la solution, pas la solution. Kalashnikov chargé, c'est pas la solution. Entends, cul, ta mère à poil. Le GIGN, le GIGN ne peut rien contre la montée du shit en bas de chez moi. C'est le son des bastos, on est tous sous tension. Que des cassos chez moi. Poulo. Là j'étais obligé de couper là, sinon on serait allé. Il dure 4 minutes, putain, ça n'existe plus les sons comme ça, magnifique. Vraiment, putain, banger, il nous a envoyé du banger, hein. Ah, c'était chaud, ouais. C'était chaud, ouais, nous était chaud. Du flow de la tech. Ouais, texte. Plusieurs flows là, déjà juste Mac Taylor là, différents flows. Non, il s'éclate, hein. Il s'éclate, il est épanoui. Moi je pense que si Mac Taylor fait une scène aujourd'hui, il peut refaire ce son normal. Ouais, normal. Ouais, j'espère. Ouais. Ah oui, normal. Sûr et certain ça. Ah, oui. Ouais. Mais c'est pas des mecs de. Ils font pas énormément de scènes ces mecs là. Hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. Ouais. Franchement, c'est dommage qu'ils fassent pas de tournée et tout.
parce que avec tout déjà la carrière avec qu'il sa a, discographie je pense qu'il va faire, je pense qu'il va faire. Bah ouais. Mais là de toute façon je crois que c'est. Après, bah, c'est une histoire de temps. En plus, ouais, en plus tu dis c'est le moment parce que tu vois il a ses petits entre guillemets, tu vois. Ouais ouais, il a du monde. Il y a Rémi, ouais. Il y a 2G, il y a un autre je Ika, sais plus d'Aubert, tu vois. Il Iska, je sais pas quoi. Tu peux te faire ta petite tournée avec les petits qui ramènent la jeunesse entre guillemets, nouveau public et toi. Un plateau. Ouais. Voilà, ils peuvent faire une belle tournée. Une hein. Belle tournée, c'est vrai, clair. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais. En tout cas, et pas il de choses. Il est chaud sur scène, Socrate, en plus. Ouais. Bah, ça, c'est sûr, lui. Ouais, lui ça se voit, il envoie, lui. Ça mouille le maillot. Mais de toute façon, juste dans ses sons, tu vois qu'il a de l'énergie, le mec, tu vois. Exactement. Tu vois, juste en écoutant ses sons, tu vois que le négro, il a de l'énergie à fond, frère. Ça veut dire, c'est sûr qu'il doit mouiller le maillot de fond. Moi, si, je l'ai déjà vu au Muro. Au Muro, il est venu, son frère. Ils sont venus. Tandem, quoi. Tandem, ouais. Moi, je l'ai vu. C'était parti en couille, même. Ouais, c'est parti en couille. C'est parti en couille. Mais il est revenu. Public difficile. Il est revenu, tu vois. Il n'est pas rancunier. En tout cas, pas de solution choisie par Cookie. Fort. T'as parlé de Hustler. Non, pas de Hustler, pardon, de... Vous oubliez, excuse-moi. Il a parlé pas de solution aussi. T'en as parlé de pas de solution? Ah si, on a parlé du couplet. Ah, ça va tellement vite, tu vois, c'est le son en fait qui m'a... il me tabasse là, le projet me tabasse là, il me met bien là. Hein. Et grosse dédicace aussi au beatmaker GoFast Music qui fait quasiment la majorité des prods sur le projet. Et il l'a envoyé aussi. Il faut reconnaître à MacTeur ce don de dénicher des beatmakers qui sont pas... mis en avant et qui sont très sérieux. Qui sortent des pépites. Ouais, franchement. Ils sont pas chers aussi. même s'ils sont pas chers ou pas, la qualité elle est là. C'est surtout ça en vrai. Et même c'est une opportunité pour eux, c'est une opportunité pour eux, ça c'est ma terre, tu vois. Même gratuit, frère, je suis beatmaker, je lui donne. C'est l'utile et l'agréable, c'est l'utile et l'agréable. On est corda. Je suis une galère, frère. J'ai quoi là? Kevin? Moi c'était plus d'air. Plus d'air. Ouais. Plus d'air. Ouais. On écoute, t'en parles après ou. Moi, comme tu veux. Non, c'est toi comme tu veux, c'est ton son. Écoute, non, plus d'air, pourquoi? Parce que je crois qu'on m'entend encore un peu mal. Parce que je m'entends pas bien, moi-même. Là, allez hop, on t'entend mieux là. Ouais, moi c'était plus d'air, bon, pour les mêmes raisons de. Vous oubliez, mais bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué d'en parler. Mais bon, je plus sois ce que Cookie a dit par rapport à ça. Mais plus d'air, parce que de base, moi, MacTeur, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Genre les années collège, lycée, j'écoutais vraiment beaucoup MacTeur. L'époque de son premier et son deuxième album. Et quand il est arrivé avec 4 tricks, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a dupé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Moi, ça m'a traumatisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu fais d'où je viens, tu fais le général, tu peux pas faire ça derrière. Du coup, moi, je l'ai en voulu à mort. Derrière, il arrive avec Banger. J'ai vraiment kiffé. Et vraiment, en fait, le son que j'ai choisi, c'est plus parce que ça me rappelait pourquoi j'aimais MacTeur de base. Que ce soit dans la manière de poser, la manière d'écrire, le flow, je retrouvais vraiment le MacTeur que j'aimais bien, tu vois. Bon, par la suite, bon, c'est encore, c'est devenu compliqué, tu vois, parce que j'ai pas kiffé ce qu'il a fait derrière. Mais sur ce projet-là, j'ai vraiment retrouvé le MacTeur que j'aimais bien, surtout sur ce son-là, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Carré d'eau. C'est le son que je voulais choisir aussi. Ah, plus d'air. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il hésitait beaucoup aussi. Et moi, je voulais rajouter, mais en plus, on lui a pris la tête ou on lui a envoyé des balles pour... mais je sais pas si c'est avant ou après. Il avait sorti déjà un son sur une mixtape, là. 9-3. Avec, c'est tellement lourd. Avec Joey Star, je crois. Non. Je sais pas si c'est Joey Star dessus. DJ Belek. Où il dit toutes les villes du 9-3, tout ça, non? En tout cas, c'est un peu techno, ouais, un peu bizarre. Ouais. Le son, il est fou. Ouais. Mais il était sorti avant ou après? Je me rappelle plus. Non, attends, il est sur un de ses albums, je crois. Il est sur un de ses albums, il n'est pas sur une compile. Il est sur un trick, je crois. Il est sur une compile de base. Mais après, il récupère sur un trick. Ouais. Donc, okay. Il sera avant. Je crois qu'il est sur un trick, hein, je crois. Donc, c'est dans le même projet. Ouais. Bah, parce que sur celui-là, il a pas. Il est mortel, il dit toutes les villes du 9-3, tout ça. Ouais, il part dans un. Mais tu vois que c'est techno, c'est une matrix de ouf. Pour dire qu'il est avant-gardiste, parce que c'est là dans son texte où il dit tu sais que des mots. Comment dire, j'ai plus en tête ce qu'il raconte. Mais tu sais, maintenant, les nouveaux rappeurs, là, les jeunes, des fois, ils te font même plus de phrases. Ils disent, voilà, Kista, tu vois. Et là, lui, il était dans les premiers dans à faire là, ça, tu vois. Alors, balancer des mots, des suites de mots. Ouais, tu vois. D'accord. Moi, j'avoue, j'ai pas été super traumatisé. Hein. Ouais, j'ai compris qu'il y avait un grand écart. Mais en fait, quand tu connais MacTeur et tu sais que lui, c'est comme un peintre dans sa tête. Il peut aller en plein d'endroits. Et quand tu sais que le hip-hop et la musique électronique, ils ont les mêmes racines,
et que la musique électronique c'est un enfant du hip-hop en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, Macteur, il a connaissance de tout ça parce que lui c'est un étudiant du rap, tu vois. Donc lui il s'est plus dit, je fais pas une dinguerie parce qu'en vrai c'est la même famille. Oui, je suis d'accord. Tu vois avec ce toi. Que je veux dire? Maintenant moi où j'ai pas été cordat, c'est le fait qu'il le market, qu'il le mette en avant. À fond, ouais. Je l'ai vu un peu comme une douille, il a essayé de le faire passer pour qu'il rentre en radio. Bah, s'ouvrir des portes. Ouais, exactement. Mais ça l'a tué parce que l'album il ressemble pas forcément à ça. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas compris, tu vois. Mais il ressemble vraiment pas à ça en vrai. Du tout. Mais surtout que après c'est Mac Taylor, c'est 93, ouais. C'est hardcore. 93 hardcore, c'est. Tu vois, c'est Aubert. Ouais, ça, c'est quand tu t'arrêtes à ça. Voilà, quand c'est tu écoutes des interviews du mec, tu vois que le mec il gamberge. Tu vois ouvert, qu'il est beaucoup plus que ça. Ouais. Il est pas beaucoup que street ouvert. Ouais, même même ouais. Au-delà du fait que son Mac Taylor, moi, tu sais, ça m'a beaucoup frustré parce qu'en fait, c'est la période. Tu sais, les. C'était la transition. Tu sais, le rap, il y avait que ça. Ouais. Même dans le R'n'B, Usher, il est revenu avec des crêtes. Ouais, c'est pour ça qu'il avait ça. C'est la période, elle était frustrante. De voir que même ce genre de mec-là tombe dedans. J'ai capté ton bail. Très méchant, ouais. Très méchant. T'en pouvais plus, toi. Ah c'est non, toi, il te fallait de l'air, toi. Ouais, c'est l'évolution. Ouais, il te fallait de l'air, là. Toi. Hein? Putain, il te fallait de l'air. Vas-y, on va en voir. Plus d'air. Il avait pas capté encore. T'as la belle vie. Moi, j'ai le train de vie qui déraille. Je fais mon bif. Ton fils est en train de piffer des rails. Kilogrammes de drame, le coin de rue est mortuaire. Cocaïne dans les veines, négro dealer en éveil. Trop les crocs, je mange des morceaux de ciment. Ceux qui marchandent dans le hall savent que l'homicide est violent. Les petits démons, démons dans le Vauxerre. J'ai souffert, à 18 piges j'avais mon premier ulcère. Le quartier m'étouffe, je crois que je n'ai plus d'air. Difficile de toucher ses rêves s'ils s'envolent dans les airs. Sur le terre-terre, la misère c'est comme une balle en pleine tête. Visière fumée, centimètres cubes, 500. On a coupé les ailes de l'ange pour devenir homme méchant. Ouais j'étais chiant, mais pas comme toi. Les rues sont froides et caniculaires, point de vue paradoxal. J'ai fait des choses sales, des choses bad. Passer à autre chose, c'est Oshka. Le quartier m'étouffe, je crois que je n'ai plus d'air. Souvent le coup de crosse, ramène les enveloppes. Ça vient du 9-3, pour le hip-hop je développe. Petit pop, ça y'a de la lume dans la chicha. Nicki Minaj, même les noaches ont de gros talmas. Carnage dans la zone, ils ont braqué l'axe Bring. Un touch ball dans les bacs, c'est pas le bijou qui brille, brille. Regarde Tony Stark et Bruce Wayne. On peut aimer le genre et se battre pour des choses essentielles. Le quartier m'étouffe, je crois que je n'ai plus d'air. Est-ce que les poteaux d'enfants sont au paradis? Il reste plus que moi, y'a plus personne ici. Dans l'armoire, y'a une calache à Uzi. Perquise à 100 000 euros et 60 kills de résine. Déféré, mis en examen à Fleury. Le 11-43 vient nous dire salut en nous passant le salam morbide. Quelque part la rose fleurie, la femme est au monde. N'ayez peur que du très haut, même sous une pluie de bombe. Ces prods aussi sont magnifiques en général. C'est trop, je te dis, c'est trop. Ça aussi, c'est Go Fast ? Ouais, je pense, je vais regarder, je vérifie, mais je pense que c'est ça. Ces prods aussi, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, lourd. Bien choisi. Je pense que même le projet est bien choisi de toute façon. Est-ce qu'on peut le critiquer? En général, on fait pas les mixtapes en plus. Ah, c'est une mixtape. Si, on a déjà fait Rof, la deuxième mixtape qu'on fait. Ah, on l'a fait, c'est la deuxième du coup. Mais quand c'est trop chaud. Quand c'est trop chaud. Ça, c'est même pas une mixtape, ça en vrai, ça pour moi. C'est... Et là, lui, il l'a vendu comme ça. Oui, il le vend comme ça. Mais frère, comment le projet est carré, comment il est propre. Rof, c'est. Tu vois, mais comment il est carré, il n'y a pas de phase B. Ah, mais là, c'était le début, on s'était plus projet, mixtape, ça et plus. D'ailleurs, ouais, vu que vous êtes spé musique, nous on est plus spé sport. Aujourd'hui, là, en 2021. Enfin, comment vous faites la différence entre mixtape et album? Non, il n'y a plus de différence. Moi, j'appelle. Même eux, ils le font plus. Du projet, mec. En fait, la seule différence, c'est quoi? C'est l'investissement financier qui va être mis dedans. C'est-à-dire, une mixtape, elle va coûter moins cher. Les, tu vas faire des clés moins chères. Et encore. Ça dépend. Non, j'ai dit un peu moins. En général, c'est comme ça que tu différencies. Parce que déjà, si je regarde noir, c'est quoi? C'est mixtape. C'est mixtape. Mais il entraîne le tap, il entraîne le. Ouais, le market un peu. Le market comme un album. Un gros clip, un truc. Mais ça, c'est surprise. C'est. Tu vois, il a pas fait une. Moi je dis qu'aujourd'hui ça tournée, est, ça se vaut. Ça se vaut, mais en vrai, il n'y a plus trop de différence. Voilà, avant d'accord, tu vois. Moi c'est pour ça que je dis projet. Déjà, comme en vrai, ça, on dit projet. En vrai, mais une mixtape, déjà c'est des sons qui sont mixés par un DJ. Ouais, voilà, à la base. Ouais, mixte, à la base. Après c'est devenu autre chose, mais c'est vrai que. C'est devenu un truc sérieux maintenant. Ça, ils se prennent plus. Mais moi je pense aussi, c'est quand les. Mixtape, après street album, il y a EP, LP. Est-ce qu'ils appellent pas ça mixtape si ça marche pas? Bon, c'est ça que j'allais dire. Moi j'allais dire ça, moi. Ils sortent le projet, après quand ça marche pas, l'année d'après, du coup, attention, c'était mixtape. En fait, quand ils sont pas trop sûrs, ils veulent tâter de terrain, ils vont dire un mixtape. Ouais, mais au final, non, c'est un album, mais tu sais, je l'ai travaillé comme un
un album. Non, ils vont dire non, c'est une mixtape que j'ai travaillé comme un album. On t'a démasqué. On t'a démasqué. Non, mais tu entends que tu travailles comme un album. De toute façon, bah oui. Tu entends que tu travailles comme un album. En vrai. Mais après, il y a moins de clips, il y a moins de promos, tout ouais, ça. C'est juste ça la différence. Mais aujourd'hui, le, bah, comme si on parle de Noir, tu vois, aujourd'hui. Là, ah, il fait son Planet Rap par exemple. Ouais, il a fait son Planet Rap. Mais pour le troisième, pour le dernier. Ouais, ouais, pour le dernier, ouais. Pour le dernier, tu vois. Mais pour moi, quand t'as un Planet Rap, c'est un album. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'on dit, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Mais la dernière fois qu'il a fait l'album, je crois que ça s'est pas bien passé, tu vois. Donc je pense qu'il préfère arriver sans prétention, sans prévenir. Et comme ça, vas-y, on va pas le juger. Après, voilà, là, c'est des volets, donc ouais, tu peux pas dire vraiment c'est un album. Il t'a présenté le truc comme trois. Parce que. Mais... Ah, mais après, c'est comme Niro, mais il l'a fait comme Niro. Niro, en fait. C'est ce que j'ai dit. Niro, c'est la même chose. C'est pour ça, lui, il le présente directement comme des albums, je crois. Ouais, d'un album qui se complète ouais, au fil du complète, temps. Tu vois. Ouais, à la fin, c'est un album. Donc, oh, go. Ce sont des projets, les gars. Voilà, tout. C'est plus simple, c'est plus simple. Voilà, voilà c'est bon, plus c'est simple. Voilà, voilà. Ce qui compte, c'est la en vrai, voilà, en vrai. Parce qu'en vrai, ils ont kiffé. En vrai, depuis quel streaming, c'est compliqué de dire album, streaming. Ouais, ouais, c'est la dernière fois, on avait cette discussion. Ouais, sur les singles. Tu vois, avec l'histoire des singles de Dior, D'Ador, Diamant, tout ça, naniana. Aujourd'hui, en vérité, avec un son, tu vas générer autant d'argent qu'un album. Donc, en vérité, ça va te servir à quoi de sortir un album. En vérité. Mais moi, je pense qu'il y a des artistes qui devraient sortir que des sons. Ouais, que des sons. Il y a des artistes qui sont... Ouais, je suis d'accord. Tu as des artistes comme NASA, tout ça. Un mec comme Guide Baseball, pour moi. Guide Baseball, il devrait pas faire d'album. En vrai, faut qu'il reste dans ce format-là, en vérité. Que des sons. Si on attend, ça va être bizarre si on les. Ouais, non, attention, un projet, ça va être. Après, c'est jamais. Non, 10 titres, pas plus. Ouais, 10 titres. Je suis d'accord avec lui. S'il part sur des 17 et tout. C'est bon, mais les gars, ils nous ont eu un. Ça se fait plus. Ah, ils nous ont eu. Les gars, vous êtes devenus des feignants. Hein. Non, mais ça dépend de la musique que tu fais. Ouais, t'as dit. Ça dépend de la musique. Ça dépend de la musique. C'est pour ça qu'il y a des artistes, moi, pour moi, qui devraient pas faire des albums. Ça les tue plutôt. Ouais. Ouais. Mais avant, musique, frère. Avant, on l'aurait jamais dit ça. Ouais, mais parce que. Mais oui, parce que les registres, ils étaient pas si différents que ça. Ouais, maintenant, t'as des mecs pour t'ambiancer, t'as des mecs pour réfléchir, t'as des mecs pour qui peut faire les deux. Et moi, Niska, quand il est arrivé, pour moi, c'est un mec qui devait faire que des sons pour ambiancer. Ouais, mais il a su travailler son rap pour proposer des albums. Et encore, si tu regardes les albums, c'est des grosses compilations. Ouais. De plusieurs tentatives de hit. Après, il y en a qui passent, il y en a qui passent. Bon. Après, il a comme commencé. Dit, il aurait dû rester sur ce bail-là, le single qu'il a sorti ce vendredi. Bah, il a du mal. De toute façon, les trois derniers, ça prend pas de ouf. Ça prend pas de ouf. Ma même peste, même avec un invité Guy, c'est pas. Mais t'as vu, quand tu vas chercher de la force en Afrique, pour moi, ça devient chaud. Oh les bâtards. Ah, ouais. Il a donné de la force. C'est lui qui donne ou c'est lui qui prend? Sans pitié. En vrai, il a pris. Mais est-ce qu'il pouvait anticiper qu'il allait prendre? Non, mais t'as vu le poteau, il fait son truc. En vrai, Niska il va parce que le gars il a une force. Tu penses? Bah, Niska il a sa force à lui. Ouais. Mais le Kemé aussi il est en train de péter. En Afrique, c'est chaud. Le timing pour moi, tu vois. Lui il connaît la puissance. Parce qu'il va souvent en Afrique, il connaît la. Bah après, il la prend puissance. Niska parce que tu peux pas refuser Niska. Mais moi je trouve que c'était lui qui est en position de force à ce moment-là, le Kemé. Bah, de toute façon, on parle de. De toute façon, on parlait que de lui. On devait l'avoir à la radio là. Mais là, il a abordé. Tu vois. De toute façon, on parlait que de lui. Donc, c'était. À l'époque de Pouloulou, Réseau, je sais pas s'il va. Je sais pas s'il va en Côte d'Ivoire. Mais à sa décharge, quand même, faut se rappeler, c'est lui qui fait venir Observateur en France. Ça veut dire que bon, même si c'est l'interdit de Booba, mais il le fait venir pour un clip. Truc Jefferson, je sais plus quoi. Là, ils avaient utilisé le truc, vous allez voir c'est qui. Après, ils sont partis chercher à l'aéroport, tout ça. Donc il a quand même un peu ce lien avec l'Afrique. Ah, là, je pense qu'il a quand même le lien. Je sais pas si c'est que de la récupération, tu vois. Je sais pas, tu vois. Moi, je dirais pas ça. Poser la question. Mais je me pose des questions. Ouais, tu te poses la question. On peut se la poser légitimement parce que on va dire qu'il est en perte de vitesse. C'est-à-dire que tu peux poser la question. Là, vous pensez qu'il est en perte de vitesse. Mais ouais, bah, bien sûr. Attends, mais attends, quand il fait son là, en vérité, il est pas en perte de vitesse encore. Mais s'il fait, c'est quoi le dernier bon son de Niska? Ah, tu T'as pété. Tu réfléchis de ouf, hein. Ouais. Pour un mec qui est censé être le top 5 du rap en ce moment sur les ventes, ah, c'est chaud. Ah, il est top 5 lui? Ah ouais, sur les derniers chiffres, ils vont. Ils vont. Ils vendent tous, frère. Non, mais ils font pas tous diamants. Non, ils font pas tous diamants. Mais j'ai pas diamants tous, mais ils vendent tous, les mecs. Oui, ils vendent. C'est bien, le rap se porte bien. J'ai l'impression. Mais Niska, quand il sort son dernier projet, pour moi, sur les ventes, dans les 3-4 prochaines années, tu dois compter sur lui. SCH, Booba, Niska, il est dedans. Mais pour moi, quand tu vas faire prendre la force en Afrique, c'est jamais bon. Ouais. Parce que quand, à l'époque de Pouloulou, Réseau, il calcule même pas la Côte d'Ivoire. En fait, c'est pas que c'est pas bon, moi je trouve. Mais il y a pas jusque là, tu vois. Parce que ça, en fait, ça reste un kinf. C'est cohérent avec Il doit avoir un lien avec l'Afrique. En fait, mais tu vois, le truc où je le rejoins un peu, c'est rien à voir avec le rap, mais tu sais, c'est comme VG Dream. VG Dream, quand il a commencé, il y avait un peu le truc afro. Il s'est mis dans la Zumba, il a changé, il a trouvé un truc, il s'est vite essoufflé.
Et aujourd'hui, il fait des feats avec Bill Clinton. Donc tu sens que quand tu veux te rapprocher de la terre mère, en fait, ça dépend de la manière, je trouve. Ouais, je comprends. Non, mais c'est pas pour moquer, tu vois, moi je veux dire la vérité. Je suis d'origine congolaise. Donc le son, moi personnellement, je l'écoute parce que chez nous, Bill Clinton, c'est un grand nom. C'est quelqu'un, Bill Clinton. Mais le truc, c'est que c'est quand t'as fait ce que VG Dream a fait et que tu le vois qu'aujourd'hui, il fait des sons. Où il danse comme à l'ancienne, il fait un truc avec Bill Clinton. Mais c'est bien, d'accord, c'est bien. Non, c'est pas forcément mauvais, mais le message derrière, il est pas bon, en fait. Tu vois ce que tu veux dire. T'aurais dû venir avant, quoi. Non, les gars, vous êtes exigeants quand même, oui. Vous êtes exigeants, ça reste de la musique. Moi, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais je suis prêt à accepter ça. Pourquoi? Parce que ça permet à certains Africains de rayonner un peu sur la France. Bien sûr. Parce qu'il y a trop de barrières, tu vois, alors qu'ils font du taf sale de ouf, et c'est dur pour eux, tu vois. Mais pourtant, vous voyez ça vraiment comme un signe de perte de vitesse. En fait, c'est pas faux hein, ce qu'il dit, parce que ça donne de la force et tout, et de la visibilité. Peut-être qu'il y en a qui les connaissent. C'est gagnant-gagnant, en vrai. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, voilà. Mais tu vois, comme il dit Cookie, est-ce qu'au moment où il fait ramener la coupe à la maison, est-ce que là, il l'aurait fait? Là, il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas besoin. Il va dire, ouais, j'ai pas besoin. Il l'aurait pas fait. Ouais, là, tu veux dire, il a besoin. Ça ouvre le marché sur la France. Il a quand même un nom, mais c'est bien qu'il l'ait fait. Fior, là, ça fait un mois et demi en France. Il fait des tournées, il fait des shows. Ah, il fait des shows là en ce moment ? Avec un son. Avec un son. Est-ce que c'est un son même ? C'est un petit. C'est deux, trois mots. Non, nous on est content tant que les Renault. Ah, on est content de ouf, frère. Ah oui, fierté, frère. C'est l'Afrique qui gagne, comme il dit. Fort. Non, en tout cas, grosse force. C'était le moment. La minute africaine. C'était le moment Niska. La minute africaine aussi. C'est venu, c'est dû parce qu'on parlait justement des formats. Qui a plus besoin de faire de l'album. Ouais. Mais moi, pour moi, l'album, en fait, c'est un prétexte à communication aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une date clé à telle date, tu sors un album, tu fais ta tournée des médias, tu vas t'annoncer une tournée derrière. C'est juste un prétexte à communiquer. Tu vois, alors que si tu fais que des singles, bon, c'est comment, à quel moment Tu fais ce que tu veux. C'est quel moment fort, tu vois, tu veux dire. Donc, c'est pour ça qu'ils font des albums, mais en vrai, ils ont pas besoin, frère. Tu vois, un mec comme ça, il vit que sur des hits, il a pas besoin de faire d'album, frère. Et les albums, ils vendent pas de ouf, en vrai, de vrai, tu vois. Non, c'est les morceaux qui vendent. C'est vrai. Je suis cordé avec toi, plutôt. Tu finis bien le bail. Moi, tu finis. Ouais, parce qu'on finit avec toi, avec entouré de mon gang. Mais avant tout ça, donc. Oh, t'es trop bon gars, frère. Vraiment. Transition, c'est bon, hein. C'est trop. Du coup, veux qu'on finisse son là après, ça y est. Ça veut dire. On va en parler direct. T'en parles direct ou on revient après ou on se dit au revoir maintenant? On vient, mais le son, après on se dit au revoir tranquillement. Ouais, voilà, vas-y, tu connais. Entouré de mon gang. Yes. Presque plus de force, bientôt je pète les plombs, je te mets des coups de crosse. La vie de ma mère, que j'ai presque plus de force. Négro, si j'ai des fans, c'est que j'en ai très peu. Tu préfères me voir en sombrie plutôt que d'acheter mes scuds. Pas de millions de vues, pas de millions d'euros, millions de problèmes pour une grosse peine derrière les barreaux. Taibou vit des culs secs, tristesse dans l'atmosphère. Ces négros me foutent la haine quand ils font leur manière. Je voyais pas le rap comme ça, je voyais pas la vie comme ça. Je voyais pas mon avenir comme ça, je croyais que ça allait être pire que ça. Tu débutes, moi je continue. Tu débites, moi je distribue. Pareil qu'il est très cher, ce très bon shit qui pue. Pour en faire entrer des oiseaux, il en faut dans les testicules. J'apprends rien si les pitbulls se dévorent le museau. Pas le temps pour toi, regarde sur ta Rolex, on n'a pas le même fuseau. Planétaire business, t'as pas été de Kim Cole. À fond dans le peura, même si c'est d'autres projets qui me sauvent. Le rap m'a piqué comme une seringue d'héroïne. Copine, si tu m'appelles, c'est pour faire la coquine. J'ai déjà assez de problèmes, mais pas assez de bif. Parmi ces rappeurs qui trouvent qu'ils ne brillent pas assez le blinz. D'hiver en été, je cherche la monnaie comme vous. J'suis à F, j'arrive en Kaira comme à l'époque du Wu. Nique sa mère, la misère, pour l'oseille on doit chez vous. J'm'arrête au Nigeria avant entouré d'aller au Cameroun. De mon gang, à toute mon Afrique. J'suis entouré de mon gang, à tout mon 9-3. Entouré de mon gang, ça vient d'Aubert. J'suis entouré de mon gang, la Courneuve et Saint-Denis. Entouré de mon gang. Je suis entouré de mon gang, entouré de mon gang. Je suis entouré de mon gang. Toujours ce mal de bide, toujours ce mal de bide. Oh, Mater, vraiment, frère. Dommage, tu nous foutes une lâche des vues, hein. J'aimerais bien t'inviter, hein. Il va venir. T'es dessus?
On bosse. J'aime bien quand tu bosses comme ça, j'aime bien. Non, bah oui, je suis sûr que s'il connaît vraiment le bail ou quoi, l'avenir. En tout cas, entouré de mon gang, choisi par Piggy. Ouais, mon gars, je connais Tandématique Modèle, Explosive Click. Ouais. Mac Taylor, c'est toujours un mec qui a voulu marcher en équipe, faire avancer les siens avec lui. Donner de la force jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, les Rémi, les 2G, c'est un mec. C'est toujours pour ceux qui savent. Ouais. Toujours. Comme tandem. Exactement, pour ceux qui savent, comme tandem. Big up Frisco Orléans. Et t'as vu dans le son, il dit, il rappe sa tristesse, que sa frustration de ah, j'ai tout fait. T'as vu, j'ai tout fait, vous m'avez pas calculé. Et à la fin, dans le refrain, il dit, je suis entouré de mon gang. C'est-à-dire que c'est là où il se réfugie, tu vois. Il va puiser sa force à chaque fois. Et c'est un mec qui est toujours au quartier, frère. T'as dit, c'est-à-dire, c'est pas que dans la musique. Voilà, c'est pas du storytelling, c'est sa vie. T'as jusqu'à présent, son studio, il est dans son bâtiment. Tu vois, il est encore à Aubert. Il est encore avec les humains, tu peux le croiser. Tu vas manger au point B, tu vas le croiser. C'est un mec du quartier, toutes les rentrées, il fait les dons, tu vois. C'est un vrai produit de son environnement. Et c'est pas que de la posture. Ouais, il fait pas semblant. Voilà, tu vois. Et donc, pour ça, il me fait penser, tu vois, un mec du 7-8, tu vois, dans sa mentalité. Moi, c'est un mec de quartier, tu vois. Non, c'est un vrai mec de quartier, lui. Ouais, c'est sérieux, c'est pour de vrai. Il aime ça, tu vois. Ouais. Mais qui aspire quand même à de grandes choses pour les siens. Tout en restant comme il est, en fait. Exactement. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Mac Taylor, c'est que pour moi, il s'est jamais dénaturé. Il est resté lui-même. Même s'il est têtu, même si des fois, il aurait dû s'ouvrir, il aurait dû s'apaiser. Tu vois, même s'il a toujours raison, même s'il a tout créé, même si, tu vois. Mais on l'aime. Ouais, t'es sur des refs. Ouais. T'es sur des références. Tu connais. Okay. J'ai capté. Ouais. On a capté. Mais après, il a raison. Ouais, c'est vrai. Après, le truc que tu peux pas enlever, c'est que dans tout ce qu'il dit. Souvent, il a pas tort. Ouais. Parce que nous, il y a des clients qui te cassent les couilles, qui vont te parler. Ouais, moi. Mais t'as vu, quand lui, il parle, il a raison. Ouais, là, quand il te dit ça, c'est vrai. C'est factuel. Ouais, ouais, c'est clairement. Pas un mec qui part dans le vent. Ouais, dans Mac Taylor, c'est le mec quand il fait des interviews. Frère, c'est. Juste qu'il lui le dit. C'est 40 minutes, tu sais que tu vas apprendre plein de trucs. Et que... Ah ouais, les interviews et tu vas te dire, ouais, en fait, il avait raison. Et pour moi, sa musique, c'est du caviar pour des porcs, frère. Ouais, c'est-à-dire que c'est des mecs, il est pas mis à ça. Il a le même problème que Despo. Il a le même problème que Despo. Dans le sens où il a rappé pour les gens de chez lui. Ouais. Et les gens chez lui l'ont pas rendu. Moi, je vous assure, je suis pas sûr que c'est ça vraiment. Lui, il arrive. On lui a pas rendu parce qu'on n'a pas été. On l'a pas acheté, on l'a pas soutenu. Ouais. Financièrement. Ouais, on a écouté. On l'a donné de l'amour, si, mais c'est gratuit. Voilà, ces mecs-là, ils arrivent en même temps que Emule, frère. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, il y a le timing qui est mauvais. C'est ça, en vrai. Rof, il continue à vendre. Booba, il continue à vendre. Ouais, mais parce que ça arrive, parce qu'il arrive. Rof, tout ça, ils étaient déjà là-avant. Ça veut dire, ils ont déjà créé leur truc. Ouais, je suis d'accord. Ça veut dire, eux, ils arrivent c'est même fou, c'est fou, la Russie, quand même. C'est fou aussi, ouais. Même si, mais c'est pas le quartier qui l'a soutenu. Même s'il a pas duré. C'est pas le quartier. Quand ces mecs, ils pètent, c'est pas les mecs du quartier qui donnent. Même la rue qui raconte, je suis désolé. On n'est pas tous des bandits, je sais pas quoi. Mais Mac Taylor, il ira pas la rue pour faire bander les gens. Voilà, c'est vrai. Les autres artistes, c'est vrai. Mais moi je pense qu'ils embellissent parfois la rue d'une manière où exactement. On doit faire kiffer le mec du 16, tu vois, pour quitter les. Alors que Mac Taylor, il te raconte juste sa vie et c'est la sensibilité de chacun, t'as l'impression qu'il te ment pas. Après, peut-être ça se trouve, il nous ment, tu vois, mais moi j'ai l'impression que le mec, quand il parle, c'est réel, tu vois. Et je pense que c'est là où c'est peut-être ça peut le tuer, c'est que lui il est pas allé dans le storytelling à fond de te raconter trop des trucs de ouf, il te raconte juste ce qui se passe dans sa vie. Rendre ça beau, rendre ça jovial, rendre ça. Des mecs qui te racontent des trucs, tu te dis ah ouais, lui il est pas né en France. Et je pense que c'est ça qui l'a tué, c'est que lui il est, comme t'as dit, il est toujours resté vrai. Ouais, il est trop authentique. C'est ça, l'authenticité ça tue dans la vie. Ça tue, c'est ça. Il y en a justement, c'est ça qu'on a reproché à certains rappeurs aussi. Parce que je sais que c'est Salif qui le disait, que ils étaient tellement authentiques qu'ils disaient tout. Ce qui fait que tu sais, limite, des fois, t'es un keuf, bah, on te sert tout sur un plateau. Tu que ouais, il fait ça, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tu leur racontes tout en fait. Donc, c'était ça aussi que certains ont reproché à ces rappeurs-là. Non, je suis cordial. Je vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'on leur reprochait ça à l'époque. De ouf. Même Mac Taylor est intelligent parce qu'il est pas au béton. Ouais. Que, c'est réel. Malgré que, voilà. Malgré que, rien du tout. Avance. Voilà, calme. C'est des ouf, ouais, c'est quand voilà. Calme. Ah ouais, la cité Salif, ça, en vrai. Alors, c'est les vrais mecs, ça. Ah, ouais. Salif, non, c'est à la même époque, malheureusement. Ouais, c'est mais ils nous ont fait du bien. Non, mais Salif, il a réussi quand même. C'est lui, il a quitté le game.
Mais il a quitté pourquoi? Parce que c'est ça qu'il allait pas. En fait, il a quitté parce qu'ils ont commencé à lui faire faire des trucs un peu bizarres. Mais ça donnait pas comme idée comme il voulait. Il vendait pas. Par rapport à ce que les mecs ils investissent en temps, en énergie, en argent, parce que c'est des mecs que des mecs qui sont en indé là. Frérot, c'est pour eux, c'était pas rentable. Mais c'est des mecs de dehors. Ça veut dire c'est pas rentable. Ils font 1 plus 1. Frérot, laisse-moi retourner. Mibi, c'est ce qu'il disait. Il y a 2 semaines, on était avec lui. C'est exactement ce qu'il disait, tu vois. Et il dit, frère, moi j'ai quitté, il n'y avait pas de sous, frère. Ouais. Là, il me dit, aujourd'hui, les mecs, là, il les dit clairement, aujourd'hui, frère, vous m'appelez moi, Foralas. Il est clair, il va revenir, tu vois. Foralas maintenant, tu vois. Il ne veut plus faire du bénévolat. Voilà, il a dit, j'ai perdu mon temps, tu vois. C'est fini, voilà, ce mood-là, voilà. Il devait être frustré, surtout quand tu vois ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tu vois, il dit, ouais. Surtout qu'ils sont des gosses. Il le voit pas lui, il s'en fout. On aime bien pleurer les absents, tu vois. Quand ils étaient là, ça téléchargeait pas, ça vendait pas. Maintenant ils se retirent, ah c'était les meilleurs, c'était les trucs. C'est ça, on est mauvais. C'est toujours comme ça, tu vois. Là ça dit ouais, Salif s'il revient, mais Da s'il revient, personne va flopper. Nubi pareil, il va revenir pareil, il va nous faire kiffer nous. On va streamer seulement. Mais je crois la dernière génération, moi je suis en 93, je crois c'est nous en dessous les 95, ils écoutent pas Salif. Non. Est-ce qu'ils l'ont connu? Il y en a quelques-uns, mais là, tu vois, curieux, il va parler aux mecs qui vont te dire que Nino, c'est le meilleur rappeur pour eux. Sans dénigrer. C'est pour te dire que c'est chaque par génération. Des mecs qui écoutent Nino et qui vont te dire que Nino, il rappe mieux que Salif. Et tu peux pas leur en vouloir. Il va revenir, pourquoi? Il aura pas changé aussi entre temps. Il aura changé. Il a évolué. Mais Nino, qui est un enfant de Salif. Enfin, lui-même, dans ce cas, il se réclame, tu vois, un héritier. Ouais. Salif, grand monsieur. On a fait un projet à lui déjà. On a fait Curriculum Vitae, je crois. Pourquoi pas faire un autre son? Les souvenirs du lycée, du collège. Pourquoi pas faire Bullen Boys un jour? On fait Mibi, c'est quoi d'hab bientôt? Moi je viens, moi. Bullen Boys, c'est bien. Bullen Boys. Moi j'habitais dans l'île de Salif. Ah oui, c'est pour ça. Je voyais tous les jours encore. On voulait faire Salif en plus. Je voulais encore. Il a dit la télé. Tu vas à l'école. Non, il veut plus parler. Tu vois Salif. Ouais, c'est ses sons. Incroyable. Tu dis. C'est un héros. Ouais, c'est. En vrai, c'est. Bah, c'est normal. Tu voyais Booba aussi au Ponce, mais c'est pas pareil. C'est le vrai rappeur de Boulogne. Tu le vois depuis toujours. Les deux, c'est les vrais, tu vois. Mais Salif, en fait, c'est. En fait, c'est pas pareil. T'as grandi avec lui, tu vas le voir dans différent. Tes moments clés. Tu vois, tu vas à la Carrefour, tu vas le voir. Ouais. Tu vas aller à l'école, t'es renvoyé, tu vas le voir. Ouais. Pendant que tu vas le voir, tu vas écouter son son. Son, c'est là pour moi. Il va venir quand il y a des concerts. Tu c'est une rosta. Voilà. Ça veut dire que c'est pas pareil, tu vois. Et Salif. La proximité. Ouais, la proximité. Ouais, c'est ça. On va le faire. Avec ton gars, c'est ton gars. T'as un gars de Boulogne, c'est qui voulait. Ouais, Charlie. Je sais pas si tu connais Charlie. Non. TC Box. Qui a le club de boxe? Ouais. Non, c'est pas un truc de boxe, c'est un truc de sport. De salle de sport. Ouais, je vois qui c'est en Grande Boulogne. Il y a pas longtemps, Booba et Niska. Booba et Niska sont entraînés dans sa salle. Ouais, je vois qui c'est. Mais moi, comme je suis pas dans la muscu, tout ça. Je le connaissais même pas dans la muscu, lui. Avant, il était basketteur. Basketteur, ouais, il fait du sport. Voilà, ouais, j'ai vu, je connais. Et lui, il s'est un kiffeur aussi. Ça fait longtemps, il me dit. Il voulait venir rectifier les. En fait, ça fait longtemps, il voulait venir. Et il dit, non, des fois, vous dites des trucs sur mon ancien. Je suis pas cordat, les gars. Je suis pas cordat, faut que je vienne. Tu vois, et en vrai, je voulais attendre un peu parce que c'est pas les gens y croient, on l'invite parce que sur l'actualité, ça voilà. Niska Booba était chez lui, tu vois, et c'était bien avant ça en fait qu'il a dit poteau, faut que je vienne. En fait, c'est un gars à moi en vrai, donc c'est frérot. Donc voilà, en tout cas, belle émission, banger McTayer, Money Time, c'est ça, très lourd. Mibis, la palette en streaming, faut aller voir tout, partout. De toute façon, on en reparlera bientôt. Et voilà, donc Money Time, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Lancez vos réseaux sociaux surtout. Twitter, Facebook, Instagram, même TikTok. Maintenant, apparemment, il y a des trucs à faire là-bas. Non, dansement. On fait pas de challenge bizarre. Non, dansement. On est resté authentique toujours. Ça bouge pas. Pourquoi on danse nous, même on est resté authentique? Congolais, non, il y a des limites. Il y a des limites. Ça se trouve, si on parle de gros chèques, peut-être on va danser. Elle a beaucoup de danse pour les chèques. On parle de gros chèques, je fais même l'escalator. Je sais pas si moi il arrive, frère. L'escalator, poteau. Je fais pareil, frère. Je baisse mon pantalon et je monte l'escalator. Non, Money Time, faut des partenariats avec BetClick, tout ça, votre truc. Ça va venir. C'est le travail, frère. J'ai vu, t'as vu Bouscapé qui ils ont arrêté. Les partenariats avec les Paris. Ouais, Paris aussi. Bouscapé qui se lance bientôt sur le talk show.
C'est normal, c'est l'avenir, le talk show. Mmh. C'est l'avenir. Partout, il y a du talk show. Recensez-les, recensez-vous, recensez-vous. Dites bonjour à papa. En tout cas, Money Time, merci à vous. Allez, les gars. Bon, la merci, pour merci à vous. Bah, vous êtes les bienvenus, les gars, pour vous faire un crush à notre projet parce qu'il est chaud pour Boulogne. Mmh. Ah ouais, moi je suis là. Ouais, là, ouais. Pourquoi pas, y a pas de problème. Vraiment, vraiment pas. Non, chez nous, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de rapport. Non, il y en a, respect à eux, tu vois. Mais on les écoutait, tu vois, on s'écoutait entre nous. Ça sent pas vraiment qui. Du 9-5, frère, arsénique, frère. Arsénique. Arsénique. Ouais. Arsénique. Ouais. 9-5. Bah, secteur A. Oh, il y a Youssoupha aussi. Il est rappeur. Non, mais Youssoupha, il est au bled maintenant. Il est plus ici. Ouais, en Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais. Il y a un rappeur argentin là. Comment il s'appelle? L'étoile araignée là. Ouais, ouais, Jewel. Jewel. Très bon. Super bon. Jewel. Ah, Jewel, c'est un mec de. C'est un mec d'Argentin. Ouais, mec d'Argentin. Ouais, c'est un mec d'Argentin. On était au collège ensemble en plus. Très très chaud. Très fort. Il a été chez Kaizit. Ouais, il était chez Kaizit. Non, c'est un mec du 900. Ah, ouais. Il est bon, ouais. Il rappe encore derrière. Ouais, il a sorti un truc là. Je l'ai écouté là. Ouais, franchement bien. Il se bat, il se bat. Moi, je connaissais Baba. Tu connais pas, non? Ah, ça c'est un ancien. Ouais. Il y avait les anciens, ouais. T'as oublié. Il y avait les jumeaux, ouais. Les Los Grumos. Les Grumos. Les Grumos, ouais. Ouais, aussi. Tu vois, tu vois. C'est durable, ça. C'est pas durable. Après, bon, c'était. Zumba, Zumba. Bref, tu vois, on se connaît. C'était pas trop mal parlé. C'était plus. Non, mais c'était pas dégueulasse ce qu'ils faisaient de façon. Non, c'était pas mauvais. Adia, adia, adia. C'est leur meilleur son. C'est leur meilleur son. C'est leur hit, ouais. Mais c'est le seul. C'est pas leur meilleur, c'est leur hit. Après, eux, ils tournaient. Argenteux, ils ont fait des trucs argenteux, les gens les connaissaient tout, mais c'était aussi beaucoup au Ghana, eux. Ok. Ah ouais, ils ont fait, mais ils ont retourné les chichas avec leur son. Ouais, d'où ouais, bien sûr. Vraiment. Frère, avec eux, tu fais des sous. Tu les vois plus, frère. Moi, je crois que je vais en faire un vite fait. Taf. Ouais, oui. Bon, en tout cas, on va se quitter là parce que ça fait 1h20. J'aurais voulu que ça fait 1h, mais bon, c'est pas grave pour pouvoir la passer la semaine prochaine. Mais bon, j'espère qu'on va passer. On verra bien, de toute façon. Voilà, en tout cas, merci à vous, les gars. Money Time, l'équipe, Something Lock. Direct. A bientôt, bonne soirée. Ciao. On finit sur quoi? Ah, on finit. Vas-y, j'ai envie de finir sur Quada, moi. Rien à foutre. Vas-y, c'est pas on finit sur que du ça, je ne fais que ça. Que du ça, je ne fais que ça. Le seul qui fait ça, il kiffe ça. Que du ça, je ne fais que ça.